Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Je suis Franck Payen et je suis avec vous sur la chaîne YouTube Adobe France. On va parler pendant une heure et demie de photographie. Donc, pour les gens qui nous reçoivent pour la toute première fois, je vous rappelle le principe, c'est du direct. Sous-entendu, vous avez une zone de chat en bas sur laquelle vous pouvez nous poser des questions. Je tenterai de lire les questions les plus pertinentes à Geoffrey. Les questions impertinentes ne sont pas reçues et on vous éjecte à la fin. Surtout, n'hésitez pas, ouais, si vous avez besoin de précision, si vous avez envie d'interagir avec nous, c'est le moment, c'est le bon endroit. Ensuite, eh bien, comme nous sommes sur YouTube, vous savez aussi que vous avez moyen de rattraper le live en replay et vous pouvez le faire en direct. Sous-entendu, il y a une barre rouge en dessous et vous pouvez tout à fait revenir sur tout ce qu'on vient de se dire. Geoffrey, tu es photographe. Oui, c'est ça. Photographe autodidacte depuis quelques années maintenant. Mm-hmm. Je viens d'un monde complètement différent, c'était celui de l'ingénierie à la base. Et voilà, ça a pris de plus en plus de sens dans ma vie, avec, je le corrélais avec le voyage, mm-hmm. avec l'aventure aussi un peu, et la découverte du monde. Et du coup, j'ai progressivement... Au début, forcément, la photographie, c'est une passion. Enfin, c'est une passion dans le sens où c'est anecdotique. C'est pendant les temps, les vacances, pendant, enfin, après le boulot, après les études. Mm-hmm. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et voilà, du coup, maintenant, je me suis lancé depuis plus d'un an. D'accord. Donc, quand tu dis tu t'es lancé de manière professionnelle. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai quitté mon... Tout ce que tu faisais en amont, c'était exactement. Que du loisir. Exactement. À la base, la photo, je l'ai découverte en partant en vacances, du coup, comme je l'ai dit. Et il n'y avait pas forcément une cohérence très forte. C'était de la... J'étais témoin de scènes de vie. Du coup, je prenais en photo ce que je trouvais beau. Mmh. Et avec le temps, je me suis dit, vas-y, en fait... Pour arriver à avoir une cohérence, pour arriver à avoir un travail qui a du sens, il faut que j'arrive à contextualiser, à pouvoir parler autour d'une série. Ouais. Et c'est pour ça que ce travail-là, je ne pouvais pas le faire dans mon métier de photographe, dans mon métier d'ingénieur. Mmh. Et j'avais besoin de temps pour préparer mes reportages, pour préparer tout ça. Et voilà, maintenant, du coup, c'est le cas depuis un an. Je prépare mes projets et je pars un peu... voyager et au début, la photo que je faisais était principalement tournée sur le paysage. Mmh. Et maintenant, je me rends compte, en regardant mon travail, vraiment, ça n'a pas été une volonté de le faire forte, mais c'est du constat. Je me rends compte que je suis plus vers l'humain maintenant, ouais. Plus vers du portrait. Voilà, un peu tout. Alors du coup, je nous fais très très rapidement, très brièvement défiler les images derrière, comme ça les gens voient un petit peu... de loin ce dont on est en train de parler. Quand on va faire le tour justement de ce portfolio avec toi, est-ce que tu as une envie, une manière de l'aborder? Parce que je sais que le grand sujet justement avec le travail d'artiste, c'est de se dire, est-ce que mon travail peut vivre tout seul? Ou comment il vit avec explication. Ah, oui. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous. Oui, c'est bon, on va pouvoir avoir le commentaire en direct et peut-être aussi dans quel sens, dans quel ordre tu veux le partager. Mm-hmm. Donc, dis-moi. On peut commencer peut-être par la série Fragments d'Histoire. Oui. Parce qu'en fait, ça a été... Alors, j'en ai un peu parlé dans une conférence Betadix que j'ai faite il n'y a pas longtemps, mais en gros, ça a été pour moi un tournant vraiment dans mon approche en photo. Mm-hmm. C'était à la fin de mes études du coup d'ingé, et je suis parti là-bas 3 mois, dans un monastère bouddhiste, faire du volontariat pour donner des cours d'anglais, mais aussi pour faire une retraite sur ce que j'allais faire de ma vie, en fait, parce que j'étais un peu tourmenté avec l'idée de faire ce que j'aimais, la photographie, l'infographie aussi un peu, et le monde un peu des sciences, de l'ingénierie. Un monde beaucoup plus cartésien, palpable. Et donc j'ai eu besoin de faire une petite rupture. Donc je suis parti là-bas et j'ai commencé au bout de quelques semaines à témoigner un peu de ce que je faisais, un peu de ce que je vivais. Mmh. Et donc voilà, cette série, pour moi, a vraiment une grosse importance parce qu'elle est vraiment le point de pivot dans ma vie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire de la photographie. J'ai envie de pousser le truc, j'ai envie de voyager, de rencontrer des choses, quoi.
D'accord. Et du coup, ça, c'est un. Comme tu dis, c'est ce voyage de césure, cette rupture, cette retraite que tu as mis en place. Mm-hmm. Comment ça s'est passé quand tu as débarqué là-bas parce que Ah ouais, c'est complètement différent. Alors, quand je débarquais déjà, je connaissais pas du tout ce monde-là, mm-hmm. le monde, monde bouddhiste. On s'attend à plein de trucs, on s'attend à avoir des enfants tout sages, on s'attend à avoir vraiment beaucoup de calme et une certaine prospérité. Et en fait, je me suis rendu compte déjà, une des idées reçues que j'avais eues, c'était en arrivant là-bas, qu'en fait, les enfants qui vivent dans ces monastères sont souvent parfois des orphelins ou parfois des gens qui sont trop pauvres, enfin les familles trop pauvres pour éduquer leurs enfants, donc ils les mettent dans les monastères. Mmh. Donc en fait, ça reste des sortes de pensionnats, en fait. D'accord. Ouais. Donc un enfant reste un enfant, parfois il est agité, parfois c'est pas le Dalai Lama, quoi. Mmh. Et c'était marrant Ça vient plus tard, ça. Ouais, c'est ça, exactement, ça vient avec l'éveil. Et du coup, c'était super intéressant de parler avec eux, parce que du coup, je parlais en anglais avec eux, je leur donnais des cours d'anglais. Ouais. Et avec les plus grands, je pouvais aborder des questions intéressantes sur la vie, sur leur manière de voir le monde. Comment ils voyaient la France, où est-ce qu'ils arrivent à se situer dans l'espace, sur Terre, dans le monde, même dans l'univers. C'est super intéressant de parler de ça avec eux. Et puis aussi de retourner, on va dire, à la base, c'est-à-dire à simplicité de vie. On se lève le matin, il y a des champs de moines, après on prend un petit déj dans l'herbe. Je faisais rien de mes matinées à part préparer un peu mes cours de l'après-midi. Et puis je les prenais en photo. C'est très très reposant. Et d'ailleurs tellement reposant que ça devenait apaisant et je me sentais vraiment bien. Genre au début je pensais que j'allais m'ennuyer. Je me suis ennuyé un peu, mais c'était un ennui expérimental. C'était super intéressant comme aspect, je trouvais. C'était pas un ennui comme on pourrait le sentir dans la vie citadine, on va dire, la vie active. Ouais, c'est aussi le principe d'une retraite, justement, d'être en mode c'est ça. D'être en mode détachement. Exactement. Mais voilà, t'avais prévu de t'ennuyer, tu savais peut-être ouais, pas à quel ça. Point... Exactement, j'avais prévu de m'ennuyer, j'avais prévu aussi d'explorer la méditation, c'est un aspect que j'aime particulièrement. Mm-hmm. Et changer de cadre, je m'en rends compte dans la photographie, parce que j'ai du mal à photographier, à faire des photos dans Paris ou dans mon contexte quotidien, on va dire, professionnel. Mm-hmm. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de changement. Et la méditation, ça rentre un peu dans le même cadre, c'est-à-dire que lorsque je suis dans un univers beaucoup plus apaisant, comme un monastère ou dans la montagne, je me sens vachement plus propice à méditer, par exemple. D'accord. Alors, il y a une question de Julien qui nous dit, c'était où ce monastère bouddhiste? C'est pour ça que j'ai zoomé sur la photo. Ah oui, oui. Donc c'était au Népal. Mm-hmm. Népal, vers Katmandou, à une heure et demie à peu près en bus. Ça fait pas énormément de distance, mais on va dire que le trafic est très lourd là-bas. Et c'est combien de temps a duré cette retraite? Elle a duré 2 mois pleins dans le monastère. Après, j'ai fait un peu de trek dans l'Annapurna, qui était au final un prolongement de la retraite d'un point de vue spirituel. Mais après, j'ai fait des photos qui ne rentrent pas dans cette série-là, qu'on verra plus tard. Il y en a une ou deux qu'on verra plus tard. Mais oui, pour moi, ça rentrait dans le même processus. Ça a été aussi un moyen aussi de décrocher avant de rentrer aussi. Qui m'a fait du bien parce que quand je suis arrivé là-bas, au moment de partir, c'est quand même assez enfin j'ai trouvé ça assez violent. Étonnamment. Mais quel genre de violence du coup? En fait on s'habitue au calme, on s'habitue à l'apaisement, à ne pas se prendre la tête sur des petits trucs comme tous les problèmes du quotidien, en fait, on n'a plus besoin vraiment de travailler, faut juste être là, vivre, parler avec les gens. On est logé, nourri, on ne se préoccupe pas de ce qu'on va manger, on a juste un bol à laver. Et ça n'a pas été une retraite dans le silence, j'étais en contact avec des gens, je pouvais parler avec eux. C'est super intéressant. Je parlais avec des moines, des professeurs, le professeur de sciences du monastère qui avait du coup une conception totalement différente des sciences et du monde que ce que j'avais moi d'un point de vue occidental et appris dans l'ingénierie.
Donc ouais, c'était vraiment enrichissant. Et de se dire, ok, je pars de ça, je pars de l'absence de problème, l'absence de bruit, l'absence de mouvement, mm-hmm. pour retourner après progressivement à ma vie, ma vie citadine. En ville, voilà, c'est ça. Parce que oui, il faut quand même travailler, il faut gagner sa vie. Et... C'est ça, tu t'es pas remis juste à vivre sur un bol de riz à laver. C'est ça, c'est ça. Même si ça a quand même bien changé ma vie, depuis maintenant je suis végétarien, j'ai quand même changé d'alimentation, j'ai quand même changé de conception. Ouais. Voilà. Intéressant, intéressant. Et du coup, tu disais que tu étais parti là-bas pour leur apprendre l'anglais. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, comment ça se passe de... Ah oui. Tu parlais pas la langue du tout en arrivant. Non, je parlais pas le népalais ni le tibétain, parce que du coup, en étant en Népal, mais dans un monastère bouddhiste, les enfants apprennent le tibétain. D'accord. Avec les petits, en fait, j'avais trois classes, 8-12 ans, 12-15 ans et 15-18 ans. Mmh. Donc pour les 8-12 ans, c'était très ludique, c'est-à-dire que je dessinais un soleil au tableau, je disais que ça s'appelait Sun. Mmh. J'essayais de leur poser des questions comme « What's your name ?» ou des trucs comme ça. Mmh. Et donc j'arrivais à avoir une petite interaction avec eux, et puis on était aussi sur du ludique, c'est-à-dire que parfois je les emmenais dehors, on faisait des jeux de relais où je leur demandais de mémoriser des mots. Alors en fait, ils n'ont pas la même conception, enfin, ils n'ont pas le même alphabet que nous. Du coup, quand tu dois dire à ton camarade qui est à 50 mètres le mot, par exemple, home, ben, il va mémoriser juste une lettre par une lettre et pas une syllabe ou pas le mot en lui-même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout la même manière de regarder les mots que nous, du coup, vu qu'on n'avait pas la même manière d'apprendre et de parler. Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Après, avec les 12-15 ans, on arrivait à. J'arrivais à parler avec eux, ils avaient quand même des bonnes bases. Et puis il suffit qu'il y en ait un ou deux de on va dire, de meilleurs en anglais, ils peuvent aussi arriver à retraduire. Et avec les plus grands, j'arrivais là par contre à avoir des débats un peu intéressants où je leur posais des questions par rapport à Internet. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Internet? Qu'est-ce qu'ils pensent du téléphone portable, qui est normalement un objet banni dans les monastères? Mais qu'ils ont quand même un peu caché parfois sous les matelas dans leur chambre. Ils squattent, à avoir accès. Hein. C'est ça. Ils squattent parfois le Wi-Fi déplorable qu'il y avait des volontaires. Mm-hmm. On arrivait un peu à négocier ça. C'était assez intéressant de voir qu'au final, ces enfants moines avaient du coup une vision du monde qui était totalement différente de... Enfin... Forcément, elle est subjective par rapport au voile qu'ils ont d'Internet. Mmh. Et c'était intéressant de voir ça. D'ailleurs, ils jouent au même jeu que nous sur smartphone. J'ai vu des moines jouer à Clash of Clans. Et j'étais en mode... Sérieux? Alors qu'on s'imagine pas ça. Voilà. C'est bien la peine d'aller jusqu'au bout du monde. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, je me rends compte de ça. C'est que j'ai cassé des a priori que j'avais par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui me pousse. Là, je vais y retourner dans un petit mois. C'est que j'aimerais bien continuer le reportage photo que je fais sur eux, mais en l'accent sur les technologies, sur comment les technologies entrent dans les monastères, comment ils vivent avec la technologie, avec ce nouveau monde, en fait. Ouais, parce sûr. Que on ne peut pas aller contre ou très difficilement contre la mondialisation, et tout se connecte. Et d'ailleurs, ouais, plein d'anecdotes là-dessus. Oui, parce que comme tu le disais, il y a des professeurs de sciences aussi, donc voilà, c'est pas des trucs, c'est pas juste. C'est pas pour eux une retraite complète du monde, quoi. Ils le sont par défaut, par distance, mais il y a quand même un accès. Il y a Elder qui nous pose une question, qui nous dit « c'est la photo qui fait l'histoire ou l'histoire qui fait la photo ?» Ah ah, bonne question. Pour moi, c'est l'histoire qui fait la photo, parce que principalement, j'ai jamais mis en scène mes photos. J'ai toujours été témoin de moments de vie, et parfois je suis surpris de voir une scène qui est belle, et je me dis là du coup j'ai ce besoin de prendre la photo, de cristalliser un peu cet instant, en fait. Donc c'est plus comme ça que je vois la photographie. Et sur la majorité des photos qu'on voit sur cette page là du coup sur cette série, ça a été des moments de vie un peu volés, parfois travaillés, dans le sens où j'avais l'image en tête. Par exemple, un peu plus bas sur celle-là, là, où on voit les enfants qui sortent du temple. C'est le matin, il devait être 7h, après une heure de cérémonie puja. La puja, c'est une sorte de chant tibétain, de mantra.
J'ai remarqué qu'en mars, parce que du coup, en y étant resté 2 mois, je voyais que le soleil aussi changeait par rapport à son heure de lever. Et à la fin de la puja, en mars, le soleil était déjà levé. Et en fait, je voyais que les rayons de soleil rentraient dans le monastère. Et je me suis dit, oh putain, c'est super beau. Je vois, il y a un beau contre-jour avec les gros rideaux bleus en velours. Mmh. Et je me suis posté là pendant plusieurs jours. Tous les matins, à la fin, je me dépêchais de bien me positionner. Je connaissais bien mes paramètres pour réussir à trouver le bon. Voilà, c'est ça, le bon moment. Et pour ce genre de photos, ça a été le cas. Mmh. Et pour d'autres, ça a été vraiment des moments un peu plus ponctuels, spontanés. Mmh, mmh. Carrément, carrément. Ouais, c'est une super belle série. Il y a Ekam qui te passe le bonjour. Oui, je vois qui c'est. T'as des copains qui te suivent. Et ouais. C'est une bonne ça chose. Ça fait plaisir. Allez, on continue dans tes voyages. Oui, bah on peut aller la suite, on peut y aller progressivement, je pense. Alors, Le Temps d'un instant, c'est un peu une série, c'est une série un peu différente où, enfin, je me suis un peu forcé à essayer de changer un peu de style. Mm-hmm. C'est venu après, du coup, mon expérience au Népal, qui était, on va dire, pour moi, le premier vrai travail que j'ai fait. Et donc, sur cette série-là. Ça faisait écho avec ce que je ressentais, c'est-à-dire le besoin de voyage, le besoin de mouvement. J'avais qu'une envie, c'était de partir, et je venais de me retrouver sur Paris avec un CDI en tant qu'ingé. Métro, boulot, dodo, moi, c'était en train de me tuer. Surtout que je savais que je voulais faire de la photographie, donc j'apprenais mon métier de freelance, j'apprenais à gagner ma vie avec des clients sur d'autres secteurs. Mais j'avais quand même besoin de travailler, et donc du coup, je me trouvais un peu prisonnier de Paris. Mmh. Et donc, j'étais parti, principalement, ces photos ont été prises au Canada. D'accord. En Colombie-Britannique, sauf la première, ça c'est dans le Berry. Dans le Berry, ouais. Ouais. Et du coup, je suis parti avec des potes et c'était essayer de retranscrire ce mouvement, cette jeunesse un peu qui part ou qui veut partir. C'était un peu. Au final, c'était un peu ce que je ressentais qui s'est retranscrite. Et. Ouais, du coup, on est très différent par rapport à ce que tu avais sur le Népal, vu que là, ouais. t'as un modèle choisi, je suppose, parmi ton groupe de potes. Ouais, j'avais mes potes un peu mannequins, on va dire, qui mettaient tout le temps les mêmes chemises, ou ce genre de choses, quoi. On est parti à 4, et du coup, il y a un peu tout le monde qui est sur les photos, quoi. Bon, plus une dose de hasard, je suppose. Oui, tout à fait, comme celle-ci, où, en fait, en Colombie-Britannique, il y a énormément de végétation, énormément de nature, et parfois, au bord de la route, on voit un cerf. On s'arrête et puis progressivement on s'approche, on l'entend respirer de plus en plus, il nous regarde, il mange, il broute et... Ouais, il se demande si vous venez en paix ou pas. C'est ça, et on s'est rapproché petit à petit et puis là c'était un peu le point limite. Après on s'est dit vas-y on arrête, on arrête les conneries, parce que ça peut être craintif, ça peut charger et tout. C'est ça, il peut charger. Ouais. Et puis il a quand même des beaux bois, donc la pauvre Natacha, elle aurait pu s'en prendre. C'est ça. Du coup, ouais. Ok, belle série aussi. Donc là, plus tard, le moment où tu commences à t'évader. Ouais, c'est ça. Ça, c'était plus en 2017, hein, du coup. Alors voilà, donc cette série, Regarder, Contempler, Méditer, pour moi, elle fait aussi écho au besoin de voyage, au besoin de mouvement. Elle reprend au final ce que j'ai fait depuis intuitivement au début, c'est-à-dire la photo de paysage. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis du coup là c'est un peu sur différents coins du monde où je suis allé, c'était Kyrgyzstan, là en Bavière, c'est du descriptif, c'est du paysage, j'aime bien en faire parce que j'aime bien, c'est le type de photo que j'imprime aussi chez moi, pour mes murs, et tout simplement ça me fait kiffer, quoi. Et c'est plus épuré, plus dans la symétrie, j'essaie de rester plus simple. Ça, par exemple, cette photo, c'était au Népal. C'était suite à mon... Ça, elle fait partie de la première série. Exactement. Et du coup, là, c'était 4h du mat. Je m'étais levé à 3h pour monter, être le premier au sommet du point de vue. C'est Poon Hill, qui est d'ailleurs assez connu comme point de vue. Et j'avais déjà en tête un peu cette photo. Je voulais la faire. J'avais vu ces montagnes qui, avec ces 5 sommets, ces 5 pics, qui donnaient une symétrie. Je suis très symétrie. Et voilà, il y a un moment dans la nuit où, on va dire à l'aube, où on a encore, on voit encore les étoiles, mais on a un ciel qui devient un peu bleu. Et tout mis ensemble pendant une toute petite plage de quelques minutes où on arrive à voir un peu tout en même temps. D'accord. Le ciel bleu et les étoiles, je trouve que. Donc, petit défi technique aussi sur Ouais, je suis passé à
plusieurs heures, et surtout que les mises au point se font souvent un peu à tâtons. On regarde sur l'objectif si on est sur l'infini, et on en fait plusieurs cadrages, et puis je voyais que la scène commençait à se remplir, parce que il y a aussi ça qui est vrai, c'est que quand on est sur des beaux points de vue, les points de vue sont souvent connus, et on est jamais vraiment seul aussi. Enfin, tout dépend des points de vue, mais ça nous arrive de... Ouais, je suppose que tous se débrouillent pour être là pile à l'aube. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Ne pas rater la photo la carte postale. C'est ça. C'est cool. Et du coup, trépied ou à la main ? Trépied, pose longue, là ça doit être une vingtaine de secondes. Au-delà, on voit les... Je trouve qu'on voit... On voit ces petits traits, ces petits filets d'étoiles. Et ouais, j'aime beaucoup cette photo, je l'ai en très grand chez moi, au-dessus de mon lit. Ça, du coup, Canada... Pareil, en symétrie, et moi j'ai été choqué par cette densité de végétation qu'il y a là-bas, que j'ai vu nulle part ailleurs au monde. Des forêts tellement denses qu'on ne peut pas s'imaginer les traverser, quoi. Mais ouais, sauf qu'une fois que tu es sur place, tu te dis que si, il y a peut-être moyen de passer sous les... Ouais, peut-être, ouais, mais non, on restait quand même pas mal sur les routes ou les petits sentiers, quand même, on était en 4x4... Ah oui, non, c'est ça que t'appelles traverser. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, ça c'était il n'y a pas si longtemps, ça. C'était en Indonésie. Donc le retour sur la Colombie-Britannique. Ouais, exactement. Où on voit des strates. Et en fait, ce qui est marrant sur cette photo, c'est que c'est pas la brume matinale, c'est vraiment que les incendies qu'il y avait eu pendant tout l'été. Il y a eu une grosse période d'incendie. Ouais. En 2017, ouais. Il y a eu tout ça, qui était Nord-Californie, au-delà de Sacramento, c'était... Aussi, ouais. Et du coup, en fait, c'est la fumée des incendies qui crée cette brume. Mmh. Et on regardait la météo le matin pour essayer de l'éviter au maximum, parce que vraiment, ça donnait un voile. Et puis même, c'est pas bon pour les poumons, pour le corps et tout ça. Donc on essayait d'éviter ces zones de fumée, qui étaient immenses. Hein. C'était plus grand que la France en termes de surface. Hein. Voilà. J'ai vu passer toujours différents types d'embarcations. Ah oui. Et oui, ça c'était en Polynésie, ça. Ah, c'est cool. Là, j'ai eu la chance, en fait, pour le coup, c'est vraiment de la chance. J'ai eu la chance de voyager grâce à mes parents. Et c'est toutes les photos faites avant 2017 ou avant 2016, même, surtout avant 2016. Principalement des voyages que j'ai fait avec mes parents, parce que j'ai pas les moyens, moi, de partir dans ces endroits-là. De faire des tours, c'est ça. Au Japon, un coup à Hawaï. Japon, je me le suis financé, mais j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais oui, voilà, du coup, ça fait que depuis quelques années que je me finance mes voyages. Et forcément, en se les finançant, on est beaucoup plus exigeant sur ce qu'on veut faire. Et quand je pars, du coup, en voyage, je pars pas faire du farniente, je pars vraiment à la découverte, je suis assez aventureux. La découverte, la rando de toute façon. Oui, voilà, beaucoup de marches. Moi, il y a un écrivain français, Sylvain Tesson, que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de marches, de voyages, d'ermitage même un peu, qui est un peu philosophe. Et en fait, ça m'accompagne pas mal dans mes voyages. Je trouve ça super, super beau. J'étais très sur le film, ouais. mais sur un autre continent pour le coup, parce que j'étais au Kyrgyzstan. Ouais. Alors cette photo, d'ailleurs, c'est une des photos, en arrivant sur la scène, je savais que je voulais faire ça, et ce mec-là, c'était un baroudeur qu'on a pris en stop, qui avait fait une cinquantaine de pays au moins, super cool, un Brésilien, et du coup je lui ai dit, vas-y, monte sur le petit bus. Tu deviens Jonathan Livingstone. Voilà, c'est ça. Et Super Trump. Ouais, je crois, ouais. Mais du coup, pour le coup, cette photo, je l'avais vraiment en tête. C'était vraiment ce que je voulais faire, quoi. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, on pourra revenir dessus, peut-être sur les retouches. Sur la partie retouche. Hein. Parce qu'elle est peut-être un peu intéressante, quoi. Et ensuite, ouais, souvenir de voyage. Du coup, souvenir de voyage, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des souvenirs de voyage, c'est-à-dire tous les portraits que j'ai pris au fur et à mesure sur ma route. En Inde, au Népal, aussi en Asie un peu, et enfin, Japon, Kyrgyzstan, qui n'ont pas forcément une cohérence où je peux pas forcément les isoler
dans une série spécifique, mais que j'aime bien garder. Par exemple, cette photo, pour moi, elle m'a vraiment marqué, c'est que c'était en Bolivie, dans les mines d'extraction d'étain, qui avant étaient or ou argent, je ne sais plus, mais après, il n'y en avait plus. Et du coup, c'est des mineurs qui passent toute leur journée, 15-16 heures, dans le noir. Et honnêtement, je me suis engouffré là-dedans, à plusieurs kilomètres sous terre, un peu en flip quand même, parce que c'est pas le truc touristique mode Disneyland, tout est bien sécurisé, c'est un mode t'es cassé en deux, t'as une vieille, t'es habillé comme eux, c'est-à-dire t'as un vieux casque et une lampe la même queue, quoi. Et tu t'engouffres dans des tunnels, et parfois t'entends des attention, il y a un chariot qui vient, et du coup tu te mets sur le côté, t'as pas beaucoup d'espace, hein. Et si tu te mets pas sur le côté, tu peux te faire couper un pied, parce que vraiment le chariot qui pèse une tonne, qui pousse à 3, ils vont pas l'arrêter pour toi, quoi. Ils peuvent pas l'arrêter, il y a l'inertie dessus. Ouais, exactement. Et du coup, c'était un peu en flip, et j'avais entendu des histoires de gars qui m'ont mis en garde un peu, mais j'avais vraiment envie d'y aller. Et c'était une grosse claque de voir des enfants de 15, 16, 17, 18 ans qui portent des sacs que je suis incapable de porter, des sacs de pierre, et qui cassent et qui font péter de la roche à la dynamite, quoi. Mais vraiment à la dynamite. Et c'est assez chaud. Hein. La Bolivie, c'était la première fois que j'allais en Amérique du Sud. C'est super intéressant comme découverte. Et c'était difficile pour moi en tant que photographe d'y aller, parce qu'ils sont assez fermés sur la photographie. Ouais. Ils n'aiment pas être trop pris en photo. C'est un pays qui s'est ouvert. C'est un des pays assez trop ouverts au tourisme le plus tard. Du coup, ils sont pas forcément habitués vraiment aux touristes. Ils aiment pas trop, parce que ça, pour eux, ils ont senti une augmentation du prix. Et du coup, ils aiment pas être pris en photo. Donc, c'était vraiment des photos volées. Là, je suis en gros zoom à 200 mm sur un marché enfin lever de soleil ou coucher de soleil. Ouais, t'es pas. J'arrivais pas à faire des photos, et puis dès que je sortais l'appareil, il y en avait un qui disait attention, il va te prendre en photo. C'était la première fois que je voyais ça. Ouais, impressionnant. Impressionnant, mais du coup, forcément, on se limite, on n'en fait pas, par respect, s'ils veulent pas, ils veulent pas, quoi. C'est ça. Ouais, ça, c'était balade à cheval, et on arrivait dans un canyon, et waouh, le vent qu'il y avait, ça faisait voler toute la fumée. Enfin, toute la poussière, et c'était impressionnant. Et donc, j'ai demandé au guide de me faire un petit. Une pause. Une petite démo, je lui dis vas-y, pars au galop, fais des tours. Ouais, Sympa qu'il ait bien joué le jeu sur ça. Ouais, c'était très cool. Qu'est-ce qui conduit Alors ça, c'est vrai qu'au final, c'est pas forcément évident. C'est un petit bateau. On reconnaît le plan d'eau derrière. Ouais, c'est vrai. C'était en Indonésie, autour des îles Komodo. Donc là où il y a les gros lézards, là, les dragons Komodo. Là. Et du coup, on était en bateau, et c'est la première fois que je passais une nuit en bateau, que je voyais ces locaux vraiment vivre là-dedans. Je sais pas, je trouvais que le mec qui dort à côté avec son pied qu'on voit un peu, ouais, puis je sais pas ce que ça va donner sur YouTube à la fin, mais en gros ouais, je trouvais que la scène était sympa, et voilà. Parfois je prends des photos que je trouve belles, qui sont pas forcément d'ailleurs ça, c'est un truc intéressant, c'est que je suis aussi un peu présent sur Instagram, et je poste mes photos du coup sur cette plateforme. Et ce que je trouve bien ou beau, ou ce que j'ai envie de poster, pas forcément ce qui plaît le plus. Je sais que sur Insta, il y a beaucoup de, par exemple, la photo un peu en mode Into the Wild, ou avec le mec sur le bus, ça passe bien, ou les paysages, ça passe aussi super bien, mais moi mon kiff aussi, c'est de prendre en photo des gens. Et du coup, c'est d'arriver à faire une abstraction, moins de succès. C'est, on va dire, plus même une niche, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, et après, ce que tu disais, c'est que justement, tes photos de montagne de la série précédente, tu les avais sur tes murs. Est-ce que tu as les photos de tous ces humains sur tes murs, ou moins? J'ai une grosse partie de la série des moines dans mon salon. Avant, j'imprimais en contre-collage sur Dibon, donc je pouvais pas enlever la photo. Et maintenant, je fais des cadres avec du coup des fonds blancs, et je mets ma photo derrière. Et là, ça me permet de switcher quand j'en ai envie. C'est ça, quand tu as envie de passer à une autre image, à une autre ambiance. C'est ça, exactement. Ou te rappeler quel voyage tu dois faire la prochaine fois. Exactement, du coup, mon salon, c'est plus éphémère, et ma chambre, c'est vraiment du paysage. Voilà, choqué par l'Inde. La pauvreté, les disparités de richesses qu'il y avait, les inégalités de richesses, c'était vraiment, vraiment choquant. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué.
Et ça n'a pas été facile pour moi de me balader dans la rue avec, je sais pas, peut-être 100 fois ce qu'ils vont gagner en une vie, et je l'ai dans la poche, quoi. Et eux, ils sont en train de se laver et de vivre vraiment sur le trottoir à 100%, chose qu'on ne voit pas en France, ou enfin, moi je le vois pas même. Enfin bref, et du coup, voir ça, voir des gosses qui t'attrapent la jambe en te demandant de l'argent, tu dis non, je t'ai déjà donné, ou je t'ai déjà donné des stylos ou ce que j'avais, et qu'il reste accroché en fait à ta jambe. Ouais. Moi ça m'avait marqué. Ça, c'est les camps un peu vraiment de. Au début, je pensais que c'était des Pakistanais, et au final, un Indien m'a dit que c'était pas des Pakistanais, c'est vraiment des Indiens qui vivent. Des castes, ouais. Du coup, avec le principe des castes, ils sont pas trop dans. Enfin, c'est très, très séparé, quoi. Ils vont pas céder de caste à caste, enfin, on peut, je trouve. D'accord. Et ouais, je me suis tapé aussi les bonnes moussons indiennes, donc on était bien trempés, ouais. Et là, on commence à retrouver ta. Ça, c'était Katmandou, du coup, Népal, ouais. Donc, juste avant ou juste après les. C'était après, après l'Inde. Après l'Inde. Et j'ai préféré le Népal pour ça, d'ailleurs. Parce que je trouve qu'au Népal, la pauvreté. Les gens sont pauvres, mais les gens sont plutôt homogènes dans leur niveau de vie. Et du coup, on retrouve une solidarité forte, je trouvais. Et vraiment, il n'y avait pas de jalousie. Après, j'étais aussi dans un contexte différent où j'étais en volontariat. Peut-être que ça a joué parce que je leur expliquais que j'étais là 3 mois, que j'aimais le pays. C'était pas juste en mode touriste. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été invité chez des paysans, d'ailleurs, qui voulaient me refourguer toutes leurs filles. Je voyais passer toutes les filles des familles en mode t'es marié ? Non, bah c'est bon, t'es célibataire. Tiens, alors. C'est bon. C'est... okay. Exactement. J'avais pas prévu. Mais ouais, j'étais impressionné. Tout à fait. Et puis récemment, le Kyrgyzstan m'a aussi donné une grosse claque, l'Asie centrale que je connaissais pas du tout, et dont j'ai fait un reportage là récemment, mais que je peux pas trop en parler parce que bon, je suis en train de travailler encore. Ouais. Mais l'hospitalité nomade, ils ont rien, ils ont très peu de choses là-bas, mais ils te donnent tout, ils t'hébergent, ils te nourrissent. Il y a vraiment un partage. Ah ouais, un partage incroyable. Ils te donnent aussi beaucoup de leur temps. Et le temps, on se rend compte que c'est précieux et c'est pas forcément ce que les gens donnent. Bah surtout, ouais, peut-être plus ici encore. Ouais, exactement. Alors du coup, tout ce que tu ramènes, tout ce que tu shootes, c'est des choses que tu shootes sur ton boîtier, tu fais l'édition, tu fais le tri, de quelle manière ? Est-ce que tu shootes beaucoup quand t'es dans ces voyages ? Est-ce que c'est juste quelques séries, quelques photos Alors, je garde en général toutes mes photos, même les photos que je ne regarderai plus. Ouais. J'ai des gros dossiers, du coup, de 40-50 gigas, facile. Je shoote pas mal, mais je shoote de moins en moins. Avec le temps, j'apprends à moins tout prendre en photo. Avant, je prenais avec mon réflexe. J'ai commencé avec un 60D, vers mes 19 ans. Et après, je passais au 6D, et puis maintenant au 5D4, pour info. Et... avant, je prenais tout, c'est-à-dire à la fois le personnel et le on va dire, le professionnel. Et maintenant, je prends en photo que le professionnel. Ouais. Et tout ce qui est perso, je le prends au téléphone. D'accord. Vraiment, je prends plus de photos, enfin vraiment, de mes amis, de ma famille, au réflexe, où c'est rare, quoi. Parce que après c'est plus complexe à retoucher, faire des traits. Il y a un vrai gros travail dessus. Ouais. Après, juste avant, pendant qu'on était en train de préparer la session, je t'ai présenté Lightroom CC. Oui, du coup ça prend du sens. C'est ça, hein, ça fait peut-être une suite par rapport à ce sujet-là. Ben, bonjour Boussou Arnaud, bienvenue. Est-ce que je passe sur ton écran et qu'on commence à regarder comment ça marche et ce que tu fais dans ton Lightroom? Ouais, complètement. Tiens, déjà, leur premier truc, c'est que ton Lightroom à toi, il est en anglais. Oui. Alors ça, c'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai 16 ans et que je m'intéresse au logiciel. Pour apprendre, à l'époque, c'était plus simple d'apprendre directement en anglais. Ouais, il n'y avait pas forcément les sujets. Exactement. Tutos, mais... à l'époque, il n'y avait pas les tutos vidéo. Ça commence à arriver vers mes 18 ans. Mais du coup, j'apprenais en anglais et le jargon, le vocabulaire technique, je l'ai gardé. Maintenant, ça ne me dérange plus vraiment. Voilà, donc après comment je fonctionne,
Je pense que je fonctionne d'une manière simple qui pourrait sûrement même être optimisée, on en a un peu parlé avant. Mm-hmm. Mais en gros, j'ai mes dossiers de voyage. J'ai par exemple mon dossier 2017 Bavière. Dedans, j'ai le Bavière Brut avec tous mes RAW. Ouais. Et donc ça, c'est le dossier que j'importe sur Lightroom. Mm-hmm. Et ensuite, tout simplement, je vais faire ma petite sélection. Je vais mettre mes petits flags... un drapeau en français du coup. Ouais. Je vais mettre un pied. Tu peux l'appeler ouais. Flag, je pense que voilà. C'est. Je vais mettre un flag sur les photos que je souhaite garder tout simplement. Mm-hmm. Et ensuite voilà, je retouche ma sélection et je l'exporte tout simplement. D'accord. Ouais. Voilà. Et je me fais mes petites collections parce que du coup je travaillais un peu avec les collections pour. Par exemple pour les séries de photos de mon site web, il fallait que je mette des photos qui étaient dans des voyages différents. Enfin, mm-hmm. Parfois, c'est assez hétérogène. Ouais. Et du coup, pour arriver à tout regrouper, je passe par les collections. Passer par les collections, justement, pour te simplifier le moment où tu dois partager tout ça. C'est ça. Et je travaille pas trop sur des collections intelligentes. C'est-à-dire que je mets vraiment que des petits drapeaux. Et je mets pas trop de notes mm-hmm. ou toutes ces autres choses. Parce que je trouve que moi, ma... Ce que je pense d'une photo varie beaucoup, mm-hmm. à la fois, ça varie dans le temps, et parfois je vais par exemple lui mettre un 3 sur 5, et le lendemain je vais dire en fait non, c'était nul. C'est ça exactement, et du coup je préfère me dire ok, flag ou pas flag, et après je sous-catégorise dans des collections. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Après voilà, on peut peut-être regarder comment... Vas-y, carrément. Voir les avant-après, ouais. Faire un tour sur l'historique de chaque photo pour comprendre un petit peu de où tu pars et de... Mmh. Sachant qu'on a le résultat sous les yeux. C'est vrai. Alors du coup, par exemple, pour cette photo, si je fais un petit... N'hésite pas à faire des copies virtuelles si tu as peur de te rater. Donc je vais faire un petit reset. Elle est comme ça à la base. Mmh. Donc au final, le avant-après... Bon, j'ai un peu zoomé, quoi, parce que je devais être 24-70 sur cette photo et je pouvais pas zoomer plus, il me semble. Ouais, j'étais à 70 mm déjà. Et du coup, comment je pars, en fait, je trouve que pour le coup, Lightroom est assez intuitif, c'est-à-dire que je pars du haut et je descends. Mm-hmm. L'exposition, là, je la remonte un poil, pour le coup, je pense que ouais, je l'avais un peu remontée. Et après, je débouche un peu, c'est-à-dire que les hautes lumières... Je les baisse un peu, les shadows, les ombres, je les remonte un peu. T'inquiète, tu peux les appeler. Voilà, shadow, voilà, c'est ça. Je pense que les gens y arriveront quand même. Si vous êtes perdu, je vous ferai des traductions en direct voilà. De la suite. Et voilà, donc le point blanc, moi ce que j'aime faire, j'appuie sur Alt et je viens taper à peu près le premier ou les premiers pixels de point blanc. Mm-hmm. Et je fais pareil sur les points noirs. Oui, alors ça, c'est intéressant, le petit Alt. Pour ceux qui connaissent pas Lightroom, ou qui le découvrent et qui l'utilisent de manière ultra basique, regardez bien en fait toute la partie droite de votre des menus à l'intérieur de votre application, parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites comme bout de retouche, peut être complété au niveau du développement par des petits bouts de raccourcis, mais alors qui sont ultra simples à retrouver. Alors je sais que je switch chez moi juste par principe et parce que moi j'ai prévu le truc pour pouvoir zoomer comme un fou dessus. Là par exemple sur cette photo là, donc qui est pas nette, mais c'est un peu le problème de mes photos à main levée. On vous connaissez sans doute le côté d'être capable de voir justement les zones de haute lumière qui s'affichent en rouge, les zones de basse lumière qui s'affichent en noir et qui vont être cramées. Et le truc, c'est que quand tu cherches à mettre en place ton point blanc, ton point noir, tu vas pouvoir le gérer via la touche Alt et voir justement ici, alors on voit pas forcément grand-chose sur le blanc, mais sur le noir, ça va être beaucoup plus flagrant. Et ce qu'on voit directement avec cette touche Alt, c'est qu'on va retrouver la couleur qui va être impactée en premier. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est indispensable. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes raté dessus, double-clic sur un curseur et vous revenez à sa valeur de départ. Tout ce que je vais vous donner comme bout d'astuce Lightroom de temps en temps, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne YouTube Adobe France, puisque nous recevons régulièrement Yves Chatin pour la pause café Lightroom. Et dans la pause café Lightroom, vous verrez qu'il y a
énormément de contenu. Il y a une soixantaine de vidéos pour l'instant et encore plus à venir sur tous les petits trucs, toutes les petites astuces, tout ce que vous aviez jamais pris le temps de retrouver à l'intérieur de votre Lightroom. Donc n'hésitez pas, il y en a énormément et elles sont toutes, toutes indispensables parce que voilà, c'est. Merci Yves pour tout ça. Allez, on repasse chez toi. Yes. Voilà, donc en fait, en chopant le premier point blanc et le premier point noir, entre guillemets, au niveau de l'histogramme, j'ai tendance à l'étirer, avant une photo, je trouve, un peu plus dynamique. Mm-hmm. Par exemple, sur cette photo, donc on voyait pêcheur, enfin, c'était pas vraiment un pêcheur, c'était vraiment un gars qui conduisait ce bateau avec des touristes, du coup, qui venaient. C'était une sorte d'île au milieu du lac, en Bavière. Mm-hmm. Je pense que sur cette photo, j'ai dû mettre un peu de clarté. J'aime bien en rajouter un petit peu sur mes photos. Et puis, parfois aussi un peu de vibrance, suivant le contexte. Ouais, suivant ce que tu peux récupérer comme couleur sans tout trop. C'est ça, exactement. Je fais beaucoup plus de vibrance que de saturation. Mm-hmm. Je trouve que la saturation a un côté un peu violent, je trouve, dans les couleurs, à tout faire péter. Mm-hmm. La vibrance est, je trouve, un peu plus subtile. Et ensuite, la courbe des niveaux. Ouais. Alors moi, je suis plus un... Enfin, classique, moi, en général, je fais des... Ah oui, alors, du coup, c'est parfois... Est-ce que je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps? Non, comment on fait pour mettre des points? Pour passer sur la courbe à points. Ouais, voilà. Tu vas passer sur la petite... là, dans le coin. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà, du coup, moi, je mets mes petits points comme ça, là. J'en mets... Mm-hmm. Tu me diras, peut-être c'est pas forcément le plus optimisé. Et du coup, je fais ça comme ça, et pouf, je monte un peu les blancs, et je baisse un peu les noirs. Et ça crée parfois une petite dynamique en plus, quoi. Carrément. Parfois, je remonte même aussi vraiment le point noir, je le remonte un peu à la verticale, du coup. Et si on regarde au niveau de l'histogramme, on voit que du coup, le premier pixel, enfin le pixel le plus sombre n'est pas totalement noir, du coup. D'accord. Il devient gris. Mmh. C'est ça dépend vraiment. C'est, enfin, je me rends compte que le processus de retouche, donc en colorimétrie, il varie constamment dans mon processus. C'est assez personnel. Ne serait-ce que par série aussi. Exactement. Je suppose que tu vas faire évoluer au fil du temps, au fil de ce que tu rencontres. C'est ça. C'est ça. C'est ça évolue beaucoup par série et de manière générale au fil des années. J'ai eu un moment où je remontais pas mal le point noir, et puis maintenant j'ai tendance à le rabaisser petit à petit. Donc voilà, j'ai pas de, y a pas de science exacte dans tous les cas au niveau de la retouche. Je touche rarement au tout ce qui est teinte, saturation, luminance. Ouais, c'est pas forcément le genre de photo sur lequel t'as besoin exactement. De mettre en exergue une. Exactement, surtout du moins pour celle-ci, encore plus, j'ai pas besoin de. Parfois, je peux avoir tendance à saturer un peu une couleur en particulier. Mm-hmm. Peut-être sur la photo des enfants, enfin des moines, ouais. Je travaille bien le rouge de leur robe. Mm. Ouais, histoire de t'assurer que tu, voilà, qu'il y a une cohérence, tu restes dans la bonne, ouais. dans la bonne thématique, dans la bonne. Exactement. Mm-hmm. Et ensuite, ouais, un peu de. Parfois, je fais un peu de split toning. Du coup, c'est comment ça s'appelle ? Du virage partiel. Ouais, virage partiel, voilà. Et j'ai tendance parfois à colorer un peu mes noirs. C'est rare mais ça permet de leur donner une petite touche genre juste vraiment très subtile. Du coup, tu vas le faire justement sur toute une série ou tu vas le faire alors je vais essayer de garder une homogénéité. Par contre en fait, ça dépend des séries, mais par exemple sur la série des enfants moines et sur la série du Canada, je suis resté cohérent. Mmh. Après, par exemple, pour les souvenirs de voyage où je faisais des portraits de personnes qui sont tous dans des environnements différents, dans des lieux, dans des lumières, etc. Là, il n'y a pas forcément ce besoin-là. Tiens, j'y pense pendant que je te voyais justement manipuler la partie courbe. Oui. Donc, effectivement, sur la courbe des tonalités, quand on a besoin de retoucher, on peut être en mode courbe linéaire classique, donc comme tu étais en train de le faire, la fameuse courbe en S, oui. pour ceux qui la connaissent et qui la manipulent, double clic
pour supprimer des points, mais on peut aussi utiliser en fait la courbe des régions. On va pouvoir justement, en ayant déterminé au départ la zone sombre, la zone claire de son image, on peut lui dire bah, tiens voilà, en fait le point il va être plutôt à cet endroit là et du coup ouais, remonter c'est limite même plus possible. Moi j'aime assez cette manière de le gérer, et du coup tu peux le remettre en place. Mais le je dirais bon, sinon mon secret dessus, c'est que j'utilise quasiment pas les courbes quand je travaille dans Lightroom. Et du coup j'ai carrément fait un clic droit dessus sur le alors il faut le faire non pas sur le nom, mais il faut le faire sur le côté, personnaliser le panneau, et comme je les utilise quasiment jamais, je les ai directement virés parce que je m'en sers pas vraiment. Après, ce sera à vous de voir comment vous organisez votre Lightroom pour gagner de la place. Non, moi, mon vrai truc au niveau de l'usage, ça va être ici dans le panneau histogramme, d'utiliser l'histogramme pour remplacer tout ça. Parce que tu vois, quand je prends l'exposition, par exemple, je vois la zone principale de mon image qui se met en gris en plein milieu de la photo. Et le truc, c'est que j'ai aussi moyen de manipuler le curseur d'exposition directement sur l'histoire. Ah putain, ouais. Tiens, on en apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Ah, c'est chouette. Très bien. Ça, c'est encore Yves Chatton. Donc voilà, c'était les deux, trois petites astuces au passage. J'échange, j'espère que ça profitera à tout le monde. Parce qu'il y a Jérôme qui disait merci pour cette masterclass qui lie technologie et humanité. Ah, ça fait plaisir, ouais. Super. Tout à fait. Et alors Hyperlite, j'ai bien vu la question sur les catalogues. On en reparlera peut-être tout à l'heure du catalogue, parce qu'on a eu pareil, même discussion. Oui, juste avant, intéressant. Mais c'est vrai que vous pouvez travailler, rassurez-vous, sur les collections à l'intérieur d'un seul catalogue. Et je connais des tas de photographes qui ont des centaines de milliers d'images sur un seul catalogue, donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Ouais, pour le coup, ça tient bien. Voilà. Et donc, par rapport au traitement de cette photo, par exemple, donc du coup, je continue à descendre. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien. C'est fait de manière vraiment intuitive. Là, par exemple, si on appuie sur I, on voit que là, j'étais à 1600 ISO. J'ai shooté à cette époque, ça devait être au 5D. Donc, on va dire, je pourrais réduire un peu le grain de l'image. Donc, un petit coup de luminance, peut-être à 10 ou 10-15, histoire de lisser un poil. Et ensuite, je touche pas forcément plus toutes les petites réglettes à ce niveau-là. Vraiment, c'est quand je monte en ISO, je touche sur de la luminance. Peut-être que tu peux avoir des conseils au niveau de pour garder du détail tout en enlevant un peu la réduction. Mais moi, je touche pas plus en général. Enfin, c'est rare. En général, moi, j'ai pas forcément besoin d'aller. Voilà, la partie grain, c'est toujours un truc qui me fait un peu peur en photo au départ. Ouais. Je me méfie toujours, et du coup, je vais avoir tendance à aller jouer plutôt, moi, sur les parties de réduction de bruit coloré, chromatique. Ah oui, d'accord. Qui me permet de pas m'inquiéter du grain. Je considère que ça fait partie du boîtier. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de la photo de départ. Exactement, c'est vrai. Yes, après du coup, lens corrections, du coup, là, parfois je le coche, et là donc on a une modification du coup de. Enfin, une correction optique par rapport à la déformation de l'objectif. Il me trouve le canal, il me trouve l'objectif, et voilà, très bien, et donc je le laisse décocher. Ça me permet d'enlever un peu le vignettage et parfois l'aspect bombé, dont on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs. Au début, on a l'impression qu'elle est plate, et quand on le coche, on se rend compte qu'en fait elle était un peu déformée. Ouais, carrément. Et en général, c'est tout quoi. Et après, recadrage que je fais souvent sur la fin. Et sur cette série, enfin sur cette photo là, j'avais une envie de. Comme je l'ai dit juste avant, je suis assez symétrique. Enfin, j'aime bien la symétrie. Ouais. Du coup, peut-être garder une ligne d'horizon un peu centrale. Je sais pas si c'était comme ça que je l'avais retouché. Bah, tu vois, un peu différente l'autre. Au final, c'est marrant justement parce que tu reviens sur le même négatif plus tard. Ah oui. Et tu vas pas forcément refaire la même retouche. Exactement. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'aime beaucoup en photographie et qui me change vraiment du milieu de l'ingénierie. C'est que en faisant de la photo, il y a vraiment un voyage limite introspectif sur soi-même et sur ce qu'on trouve beau. Et on ferait pas le même travail maintenant qu'on l'a fait avant. Et c'est super intéressant de voir son évolution.
Ouais, parce que toi tu évolues, tes techniques évoluent, puis ton regard aussi. Exactement. Je sais que mon travers pour l'instant sur les photos, c'est de beaucoup jouer sur la vignette, parce que je sais qu'à la fin je fais sur Insta, du coup c'est rigolo de pouvoir centrer et tout ça. Mais je me doute bien que si jamais un jour je dois aller plus loin, il y aura un moment où j'en aurai trop marre de ouais. cette espèce de. Je les virerai surtout. C'est ça. Du coup, ouais, c'est super intéressant de voir ça. Et ouais, en ingénierie, il n'y a en général qu'une seule bonne réponse. Mm-hmm. On a des paramètres et on connaît la meilleure méthode pour arriver à avoir le meilleur résultat, le résultat le plus optimisé, donc le résultat le plus juste. Et en photographie, je me rends compte que non, en fait. En photographie, il y a des millions et une infinité de possibilités de prendre une photo, de la cadrer, de la retoucher. Et je trouve ça passionnant de se dire qu'on n'arrivera jamais au bout. Ouais. Et qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre ou une sorte d'expérimentation constante dans la pratique. Moi, c'est vraiment un truc qui me fascine. Et enfin, voilà. Un peu tout. Je vais enlever ma petite démo ici. Tac. Voilà. Sur cette photo, ça, c'était une photo que j'ai... qui est passée sur Photoshop. Alors, je sais pas si je... Ouais, je pense que je vais pouvoir peut-être là retrouver... Retrouver l'original. Ouais, parce qu'en fait... Ouais, vas-y. Et tu dois pouvoir trouver la version de départ. Parce que sinon, je retourne dans mon petit dossier Bavien et peut-être la retrouver. Tu vas l'avoir. Alors, tu vas avoir le Go to Folder in Library, déjà. Voilà. Tu devrais retrouver, du coup, toute la série de départ. Est-ce que tu as pu retoucher dedans? Ouais. Là, c'est du PSD. Parce que du coup, je l'avais chopé juste avant de venir. Mais en gros, sur cette photo, je suis passé sur Photoshop parce que je l'ai prise à F13. Grosse erreur quand il neige comme ce qui neigeait à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que du coup, je me suis retrouvé avec plein de flocons sur l'écran. C'est dommage parce que je voulais peut-être en parler un peu plus. Mais en gros, si on... Tu cherches le PSD là-dedans ? Mais je cherchais l'original, l'euro, et je suis pas sûr de l'avoir. Peut-être peux juste voir vite fait... Parce qu'après, tu peux chercher par nom aussi. Ouais, mais... Ta photo n'a pas changé de nom ? Non, elle n'a pas changé de nom. Bah dans ce cas-là, regarde. Tu prends le nom de la photo dont on était en train de parler. C'est là. 99A22349. Et tu vas pouvoir demander en bibliothèque. On est dans le module librairie. Je ne sais jamais comment on rattrape la barre du haut. Donc, je ne sais pas. J'essaie de trouver dans la view. Toolbar. Toggle zoom view. Peut-être en grille, voilà. Et là, on va pouvoir rechercher dans le texte, et on va dire combien ? Ah, 23... 23,49. Ouais. Hop. Mais du coup, je suis pas sûr de l'avoir copié. Ah si, peut-être. Ah oui. Non, tu vois, du coup, elle est manquante, ça doit être ça. Ouais, du coup, j'ai pas le RAW, j'ai chopé juste le PSD. Pas le RAW original, donc que le... Mais on peut quand même faire l'exemple ici, c'est pas grave. En gros, donc la photo, une fois que j'avais retouché, j'avais mise, enfin, on va dire, sur le même principe que la photo d'avant, en plus, parce que c'est un peu le même environnement. C'est-à-dire que du coup, j'étire les blancs, je la surexpose un peu. Et ensuite, je pars sur Photoshop, en copie, on va mettre. Est-ce qu'il part ? Je vais très peu sur Photoshop, mais sur cette photo, il y avait vraiment besoin. C'était indispensable. Ouais, parce que sinon, elle était loupée. Ah bah tiens, d'ailleurs, il a retrouvé des trucs. Tu vas pouvoir retrouver ton original dans le... Ça, c'est beau, hein. Ouais. Je sais pas si... Ah, effectivement, ouais, tu avais des... Ah, voilà. Ah ouais. Et en fait, du coup, c'est ça. Et grosse erreur, c'est en pratiquant qu'on apprend, hein, forcément. Mais du coup, avec une grande profondeur de champ, donc à F13, je me suis retrouvé à avoir beaucoup trop de flocons. Mmh. Et on voit vraiment des énormes flocons ici. Ici, on est... Enfin, des flocons énormes comme ça, là, qu'on peut voir. Et du coup, je me suis dit, ah putain, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle juste pour ça. Et du coup, alors, comment je suis... Je peux un peu montrer comment j'ai fait, si je me rappelle un peu. Fais comme chez toi. Alors, forcément, je duplique le background. Duplique parce que t'es prudent. Voilà, exactement.
Et de mémoire, je suis parti sur peut-être un patch tool. Et je prends mon petit. Gros flocon. Voilà, mon gros flocon. Et j'essaye de le décaler. Et puis ça me fait ça, quoi. Ça me l'enlève. Et du coup, je l'ai fait un peu sur les moyennement gros. Mmh. Et puis pour les très gros, je pense que j'ai fait une technique un peu différente. C'est-à-dire que. Attends, je vais essayer de voir si. C'est le cas. À quel moment ils disparaissent dans ta retouche ? Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils disparaissent là. Donc ils disparaissent avec deux calques, avec la luminosité directement dessus. Merde. Ouais. Mm-mm. C'est ça, du coup. Du coup, ouais, j'ai augmenté une luminosité. J'ai créé du coup un masque noir, et que j'ai peint. Alors d'ailleurs, si peut-être tu peux le montrer, mais je ne me rappelle plus comment on fait pour. C'est Alt, et si on clique dessus, ça. Là. Voilà, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est pas. Il y a des petits. C'est, on va dire, c'est de l'art abstrait. Mais en gros, voilà, je. Ouais, toi, ça t'a permis d'isoler, en fait, le flocon de départ et de pouvoir remonter sur ta photo. Exactement. Donc, vu qu'en regardant la photo, je me rends compte qu'un flocon, il obstrue la lumière, du coup, c'est plus sombre. Et bien, intuitivement, j'ai pris mon petit calque luminosité-contraste et je suis allé peindre dessus en augmentant un peu la luminosité. Je sais pas si lui, il y était, à mon avis, non. Et après, j'ai refait une passe pour enlever encore des petits flocons. D'autres petits flocons perdus. Voilà. Ah ouais, le avant-après final, il est... Enfin, au niveau flocon, du moins, il est comme ça, quoi. Carrément. Voilà, un peu au niveau de la retouche que je peux faire sur Photoshop. En général, elle est assez restreinte. C'est soit enlever, là, par exemple, une erreur de ma part, c'est-à-dire... un preset que j'ai mal mis au niveau de la... Il faut aussi remettre dans le contexte qu'il neigeait mais vraiment énormément et j'avais la neige plein l'objectif. T'avais pas encore fait de photos en pleine neige Pas à ce point. Mmh. Pas à ce point. Ouais. Et on apprend. Hein. On apprend vraiment. Mmh. Voilà. Après, celle-là, par exemple, en avant-après, c'est un peu la même chose, je pense. Je reste assez simple. Et d'ailleurs, c'est ça aussi un mot que j'ai envie de glisser pour tous ceux qui... Enfin, parce que je parle pas mal de photos aussi avec des gens qui sont pas dans le milieu et ils me disent du coup, ouais, tu retouches beaucoup tes photos, ah ouais, tu les retouches un peu, ça veut dire du coup, c'est pas vraiment la réalité ou l'original, du coup, est-ce que c'est pas un peu triché ? Ouais. Et j'aime bien quand même le dire à chaque fois que j'en ai l'occasion, mais pour moi, le travail de photographe s'arrête quand on a fini de retoucher la photo et que la retouche photo, même à l'époque de l'argentique, il y avait déjà... on pouvait déjà varier le développement pour arriver à donner une atmosphère, un aspect. On pouvait rentrer même sur des retouches locales. Ouais, carrément, bah de toute façon, c'est ce qu'on voit. Alors, je ne sais plus si j'ai encore les photos de Mohamed Ali. Mohamed Ali, retouche photo. C'est des photos qui sont devenues emblématiques du monde, justement, de la photographie. Hop. Effectivement. Chez Francis Seller. Hop, on va passer là. Voilà, entre la photo de départ et la photo de fin. Donc là, c'est juste ma recherche Google Images parce que j'ai pas accès à l'original de cette photo-là. Où on voit justement de combien on a rajouté de lumière à tel endroit, qu'est-ce qu'on a pu nettoyer, etc., etc. Et c'est un truc que le photographe sait. Parce qu'il sait ce qu'il veut développer. À l'époque, il était obligé de passer par un labo, et maintenant, avec des outils comme Lightroom, Photoshop, exactement. On a accès à tout sous la main, et il y a peut-être une déperdition d'informations moindre. Ouais, c'est vrai. Il y a un gain de temps. Tu sais tout de suite ce que va être ta photo et ce qu'elle va donner en termes de rendu. Voilà, c'est ça. Du coup, pour moi, la photo s'arrête quand on a fini de la retoucher, enfin le processus, et surtout quand on prend la photo, enfin, perso, c'est mon cas, je pense que c'est le cas pour moi. La grande majorité des photographes, c'est-à-dire que on est devant une scène, on peut la prendre en photo, et on sait le ressenti qu'on a, on se rappelle du ressenti qu'on a, et on a envie de le retranscrire après dans la retouche, et surtout dans un monde de plus en plus, où on est de plus en plus sujet à avoir plein de photographies, on est aussi un peu exigeant, et du coup il y avait aussi besoin d'avoir un peu de peps. C'est sûr, si tu montres que des originaux, on va dire des négatifs, c'est pas vraiment sexy, quoi. Tout à fait.
Voilà, donc on peut continuer un peu au niveau de l'avancement, mais ouais, là, je trouvais qu'il y avait un bon contre-jour derrière au niveau des. Je pense que sur cette photo, j'ai un peu travaillé au niveau des teintes, ouais. Teintes saturation, j'ai voulu donner une ambiance un peu plus dans les roses. Mmh. Et même, je pense que. Ouais, il y a certaines couleurs que tu as retouchées. Ouais, hein. Je suis parti un peu plus dans les oranges. Mmh. Très légèrement. Toi, tu calibres les écrans sur lesquels tu retouches ? Alors, j'ai un écran chez moi calibré d'usine, sur lequel je passe mes photos, on va dire, pour le fignolage. Sinon, la plupart du temps, je les pré-retouche sur mon MacBook, et je sais que du coup, l'écran Retina est un peu plus contrasté, saturé. D'ailleurs, si tu as des tips à ce niveau-là, si tu as des profils de couleurs qui donnent un peu... Profil de couleurs, enfin, pas forcément, mais je sais que nous, on a toujours la problématique à l'intérieur des applications créatives d'être précis sur le rendu. Alors, on va retourner, attends, je vais changer de photo, hein, les gyoza, c'est bon, ça vient 5 minutes. On va avoir la problématique à l'intérieur de Lightroom, en fait, d'aller chercher l'épreuvage écran. Mais qui nécessite en fait de savoir ce vers quoi on se dirige et de travailler du coup alors sur le profil de départ de la photo, comment elle a été générée et vérifier que la copie en question qui va servir pour la suite sera bien une copie d'épreuve sur laquelle on pourra travailler. Il me fait une copie virtuelle en fait sur laquelle je vais faire les retouches par rapport à ce développement là. Mais dans ces cas-là, et ça c'est indispensable en fait, c'est de vraiment caractériser son écran avec une sonde X-Rite ou autre. Exactement. Voilà, c'est un truc qui prend 10 minutes, un quart d'heure, mais qui permet d'aller au-delà justement du calibrage d'usine et d'éviter de te retrouver sur des variations de teintes dans ton image ou des gammas qui sont pas forcément justes. Alors après tu pourrais le vivre en mode photo en te disant bah ouais mais c'est pas gênant parce que de toute façon je peux revenir sur mon tirage et refaire une sortie etc. Mais l'idée c'était peut-être justement de pouvoir être plus régulier. Oui. On parlait tout à l'heure, avoir un process qui se répète. On a celui-là, on a l'épreuvage écran. Et puis quand tu as toute une série, alors du coup je vais quand même revenir sur les gyoza, quand tu as toute une série avec plusieurs photos sur lesquelles tu veux travailler, faut pas oublier qu'on a maintenant deux petits boutons. Alors avant on avait le comparé avant-après, c'est-à-dire avant la retouche, après la retouche, etc. à quoi ça peut ressembler. Et on a maintenant un bouton RA pour avoir une photo de référence. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire, bah, voilà, dans ma série, j'ai ma table avec la couleur du fond, etc. Je vais faire un livre. J'ai besoin de m'assurer que sur les photos suivantes, je vais avoir la même teinte sur la table. Donc j'ai besoin de les avoir côte à côte et de pouvoir être sûr de tout ça. Donc, voilà, c'est des petites... c'est pas vraiment des astuces, c'est juste prendre le temps de jeter un œil sur les outils qui sont à disposition. Après, à vous de voir, hein, en fonction de vos besoins. Ouais, mais ça, c'est... Tu vois, au final, moi, le truc de référence, je l'utilisais pas, mais je fais un peu de photographie de mariage, et au final, je me rends compte que je vais utiliser un peu plus cet outil, parce que dans la photo de mariage, on change aussi pas mal d'univers, de luminosité, et ça bouge beaucoup. Ouais. D'arriver à garder une image de référence pour avoir... la balance de blanc ou l'exposition, ou tout ça peut être assez pertinent. Ouais. Complètement. Cette photo, alors je l'aime beaucoup aussi. Mm-hmm. Elle va bientôt finir en impression. Tu l'as pas encore sur le mur. Je l'ai pas encore sur le mur, celle-là. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder du tout. Ouais. Et je trouvais cette scène magnifique. Alors si je regarde le avant-après, ça donne quoi? Ouais, c'est quand même bien différent. Heureusement. Ben ouais, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt, plutôt bon signe. Ouais. Et je voulais donner un petit côté onirique à la photo. Je trouvais que ces arbres étaient. Donc, c'est en Bavière. C'était les premières neiges. On devait être en novembre. J'étais parti avec un autre photographe. Ouais. Je venais de quitter mon métier d'ingénieur. C'était les premières semaines. Et je me suis dit, vas-y, bouge, profites-en. Et du coup, on a loué une caisse et on a roulé. Et du coup, alors comment je vais retoucher cette photo? C'est une bonne question. Alors,
Souvent, je commence par le recadrage, ouais. Parce que ça me permet, on va dire, de retravailler ma zone de... Enfin, de vraiment définir ma zone de travail. Je peux me permettre un truc ? Oui, vas-y. C'est que si tu veux être sûr de ne pas te rater sur ta retouche de photo, ouais. Tu peux carrément aller la rejouer dans l'historique. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Parce que du coup, c'est des outils que je regarde pas du tout. Du coup, tu vas vraiment savoir exactement ce que tu as fait. Ah ben tu vois, c'est comme sur le début, c'est-à-dire je commence par highlight, shadow, voilà, tu vois, black comme, and white. Comme ça, tu sais exactement à quel endroit tu es. Et même, petite astuce, bah, toujours de Yves Chatin, c'est que tu peux mettre... Alors non, pardon, c'est pas celui-ci, c'est pas la photo de référence, c'est la photo de départ... Et tu dois pouvoir glisser derrière. Ah ouais, le snapshot. Non, tu dois pouvoir te mettre en photo de référence. Si c'est ça, c'est bien en photo de référence. Une image de départ. Et comme ça, tu sais à quel endroit tu es parti. Voilà. Utilise le snapshot de l'historique. Ah, c'est bon ça. Comme photo d'avant. Et comme ça, tu sais d'où tu viens. Et ça te permet de remonter jusqu'à la photo finale. C'est ça. Bah alors, du coup, on peut refaire un petit voyage, mais ouais, du coup, je suis parti sur... Faut le faire au clip, par contre. J'ai pas de solution miraculeuse sur ça. Ouais. Et du coup, voilà, donc là, j'ai un peu plus travaillé, donc j'ai débouché mes noirs et mes blancs. J'ai un peu tiré mon histogramme. J'ai augmenté, j'ai fait un petit tour au niveau de la clarté. Et toujours, en fait, c'est toujours en descendant au niveau de la palette d'outils. Alors, je suis parti un peu plus dans les bleus. Et là, je travaillais au niveau du magenta. Donc là, j'essaie de retrouver un peu l'ambiance que je voulais. C'est-à-dire, on était en fin de journée, il me semble. Ouais, 17h. J'étais à f9, 640 ISO, à 70 mm. Et après, j'ai commencé à la recadrer, à faire différents essais de recadrage. Là, j'ai travaillé ma courbe de niveau. J'ai mis mes points, j'ai fait différents essais. Hein. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est-à-dire que sur des nouvelles photos, alors là, on le voit pas ici parce que ça s'y prête pas. J'ai fait la sélection du coup pour l'interview, mais parfois, ça m'arrive de faire 3-4 copies virtuelles. Une copie virtuelle, tester un réglage et voir comment ça avance dessus. Exactement, ouais. Alors tiens, il y a Eder qui nous dit maintenant j'ai faim, donc ça doit être pour les gyoza plutôt que la neige. Ah ben oui, ça c'est sûr. Julien qui trouvait tes photos incroyables et qui se retrouvait dans le discours puisqu'il est aussi ingénieur en train de... Ah ben génial. Passionné de voyage. On va pouvoir discuter. Et surtout il demandait si tu utilisais jamais de presets. Alors c'est rare, c'est très rare que j'utilise des presets. Il fut un temps et quelques années, j'essayais de sauvegarder un peu ce que je faisais. Au final, je me rends compte que je repars souvent du début pour chaque photo. Je repars vraiment du début et ça me permet aussi de pas me... De rester alerte sur les différents process que je fais, tous les différents boutons ou tous les différents paramètres que j'utilise. Je suis conscient de les utiliser du coup et si je les réutilise, je sais que je les réutilise et... Ouais, tu sais, t'aimes bien construire ta photo. De toute façon, ce que tu nous expliquais par rapport au preset, c'était qu'effectivement, t'étais plutôt sur du one shot, image après image. C'est ça. Exactement. Du coup, ouais, je repars souvent de la base, souvent de rien. Après, voilà, je sais qu'on peut faire Ctrl Shift C ou Ctrl C pour copier des paramètres. Parfois, dans les photos de mariage, c'est ce que je fais. Quand je vois que je suis en manuel, que la scène bouge pas, je vais copier-coller les réglages, quoi. Après, je n'utilise pas de presets particuliers qui vont par-dessus les retouches. D'accord. Après, d'ailleurs, c'est une question, peut-être que tu vas sûrement me répondre, mais les presets, du coup, ça va rajouter, ça va incrémenter les valeurs de base. Par exemple, si je veux déboucher une photo, on va dire étirer l'histogramme, et qu'après je veux utiliser un preset par-dessus. Le preset, il va prendre en compte ce qu'il y a déjà. Ouais, c'est ça ? Alors en fait, la blague sur les presets, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, à l'intérieur de Lightroom, ce
qu'on va retrouver tout en haut du développement, c'est ce qui s'appelle des profils. Et alors je vais essayer de nous trouver une photo voilà, qui donne fin, mais pas complètement. Voilà, on va revenir ici, check. Au départ, en fait, tu as, à chaque fois que tu fais du développement sur ta photo, tu as moyen de régler, tu vois, comme ici, j'ai des tonnes de petits réglages. Clarté, saturation, voile, ouais, etc. En fonction de ce que je veux par rapport à la photo originale. Mais avant, le profil, c'était vraiment le profil du boîtier. C'est-à-dire, tu savais que tu étais venu sur tel ou tel boîtier pour faire ton développement. Et il était enterré tout au fond des menus. Sauf que ce qu'ils sont allés faire, c'est que tu peux aller choisir certains profils à l'intérieur de Lightroom qui vont prendre en compte des caractéristiques particulières. Par exemple, si tu fais du portrait, là ça va pas se voir, il y a des saucisses, donc ça marche pas pareil, mais tu vas avoir les tons de chair qui vont être plus atténués, ah, okay, plus doux, d'accord, etc. Donc tu as des profils directement prévus, voilà, là. Tu vas retrouver ça. Et le truc, c'est que donc, tu peux les choisir sur la partie profil, et tu peux cliquer sur le petit bouton ici, les quatre petits carrés, pour voir, un petit peu comme quand tu regardes dans les presets, la manière dont s'appliquent ces réglages. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand tu as appliqué des profils, en fait, le truc, c'est que tu n'as malgré tout jamais retouché à la retouche. D'accord, donc ça se met par-dessus. Tu vas démarrer à zéro. Ouais, ouais. Effectivement, tu vois, c'était... Ta question, c'était est-ce que je démarre à zéro ? Passe par un profil plutôt qu'un preset. Le preset, ça va être vraiment le paramètre prédéfini, ça va être vraiment du réglage. Tu vois, là, je reprends la version depuis Lightroom Mobile. Mmh. Si j'applique un paramètre prédéfini, par exemple un paramètre de couleur, eh bien, je vais voir tous mes curseurs qui bougent. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai perdu le réglage que j'avais effectué. D'où l'idée de pouvoir remonter dans l'historique. Hop. Et éventuellement retester en appliquant juste un profil. Et dans ces cas-là, tu vois, il y a des petites étoiles sur le côté des profils pour pouvoir les glisser dans les favoris. Tu vois, là, j'ai monochrome, je vire, j'ai plus que 9 favoris et j'ai plus le profil monochrome. Oui. Donc le profil passe au-dessus des presets. Le profil passe au-dessus des presets et il passe en amont. Et derrière, tu peux fabriquer tes propres presets. C'est-à-dire que si tu te rends compte qu'il y a un profil qui t'intéresse particulièrement, tu vas pouvoir te faire ton propre profil et l'appliquer, et du coup faire par la suite les retouches qui sont indispensables sur cette photo. Ok, mais tu vois, ça c'est un truc que je vais creuser du coup. Très bien. Allez, on retourne dans la montagne. On retourne, dans le froid. C'est d'actualité du coup en plus. Voilà, du coup on a fait un peu le tour au niveau de la retouche. Et il y a aussi l'idée, juste pour finir, par rapport à bien calibrer son écran, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des tirages et de me dire putain, mais c'est pas du tout ce que j'avais à l'écran au début. Et les gens pensent intuitivement que, par exemple, j'ai un MacBook et du coup mon écran est bien calibré, il est super. Non, c'est pas ce que tu auras au tirage si tu la retouches comme ça et qu'après tu la compares. Pour moi, il y a des différences. Et il faut être conscient de ça, et du coup, au bout d'un moment, j'avais un peu une obsession de ouais, mais en fait, je suis en train de retoucher une photo à me faire chier sur un plus détail, un, et en fait, du coup, j'ai pas du tout ça sur le papier, quoi, sur le réel, le palpable. Et donc, j'ai vraiment eu, c'est pour ça que je me suis acheté après un écran bien calibré, et je passe dessus pour. Et surtout le caractériser avec la sonde, parce que ça bouge de ouf. Ça bouge, c'est pas c'est pas des trucs qui sont infinis. Ah, vous l'avez tous vécu quand vous aviez ne serait-ce que sur les écrans de smartphone, où au bout d'un moment la barre du haut et la barre du bas qui sont plus claires, etc. On va le retrouver sur un écran dans une moindre mesure, mais ça va quand même faire partie de l'usure normale de l'écran qui mérite d'être compensée. Et effectivement, un bon écran qui peut être calibré, ça c'est intéressant. Exactement. Alors là, on bouge, on part en Bolivie. À chaque fois que je regarde. Ah ouais, sur la Bolivie, c'est vrai que j'ai pas mal utilisé le virage partiel. Je sais pas, j'avais cette envie de rajouter un peu de réchauffer un peu les teintes sombres. Mais sinon, au niveau de la retouche, toujours une courbe en S, et au niveau des réglages de base, on va dire haute lumière, ombre, point blanc, point noir, toujours pareil. On voit que j'ai tendance à un peu à tirer la photo et à utiliser un peu de clarté, un peu de vibrance.
Voilà, je suis... Je sais pas si on peut dire vieille école, mais en tout cas, je suis toujours la même chose, enfin, très souvent. Tu vois, c'est vraiment ça, c'était un process au départ, des expérimentations. Pour une série, tu peux le réutiliser, et du coup, tu sais que tu vas pousser peut-être un petit peu plus certains points que d'autres. Exactement. Cette photo, je crois que j'ai travaillé aussi sur le vignettage, il me semble un peu. Parce que là, ouais, j'étais à 24 mm, et parfois, enfin, vu que j'ai en plus un petit filtre neutre, ça me rajoute quand même une sorte de canal noir et ça me vignette un peu plus l'image. Je le retrouve même plus. Ah, mais si. Ah, mais en fait, ouais, plus 8, ouais, c'est ça. Exactement. Alors, cette photo, je l'ai pas mal travaillée parce que je me rappelle qu'elle était foirée de base. Alors, je sais pas ce qu'il y a. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il me semble que j'avais un vieux, à l'époque, c'était mon premier 24-70, et je commençais à avoir la lentille extérieure, la couche anti-reflet qui commençait un peu à partir, et du coup, ça me crée des voiles, surtout en contre-jour, du coup, vachement plus visibles. Et c'est vrai que cette photo que j'aimais bien, parce que c'était une dernière photo de locaux que j'ai pu prendre en photo, on va dire, dans leur contexte, j'arrivais pas à... Enfin, je voulais pas m'en détacher, et du coup, on voit qu'au niveau des réglages, je suis allé vraiment plus loin, c'est-à-dire que si on repart de base, du coup, ouais, j'ai fait pas mal de... Donc d'abord, j'ai commencé à la retoucher, enfin à la recadrer. J'ai fait deux essais de recadrage. Après, j'ai essayé de rattraper ce que je pouvais en haute lumière. Les shadows, du coup, très peu, parce qu'il y en a de base, ils sont complètement gris. Et je suis parti sur le point noir que j'ai bien forcé, je suis passé à moins 63 en point noir, c'est assez fort. Pas mal de clarté pour en redonner du peps, et ça de redynamiser un peu l'image. Après c'était un coucher de soleil, donc j'ai redonné un peu de côté, un peu de température. Parce que aussi, ça aussi qu'il faut se dire, c'est que de base les RAW sont très flats, ils sont... Ouais. Une photo, les gens sont étonnés quand je leur dis que quand tu prends une photo avec ton téléphone, il la retouche, la photo. Le capteur prend pas la même chose et le JPEG que tu vois est retouché. C'est ça, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça et qui sont étonnés non seulement que tu leur dises que ça fait ça, mais des rendus, par exemple des caméras professionnelles qui font un C-log au départ. Exactement. C'est-à-dire tu vas avoir vraiment pas de contraste, mais tu as toute l'étendue, toute la dynamique des couleurs, et après c'est à toi à l'étalonnage, donc ici dans Lightroom à la retouche, de pouvoir rattraper ça et exactement. De pouvoir redonner, et de pouvoir toi caractériser l'image. Et je shoot toujours en RAW. Avant, je shootais en RAW et JPEG. Au final, maintenant, j'ai enlevé même le JPEG parce que je m'en sers jamais. Et ouais, tout le temps en RAW pour garder le maximum d'informations, des teintes, de la luminosité, etc. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ensuite, augmentation de l'exposition, contraste encore un peu. Là, j'ai voulu tenter un peu. Ouais, teinte là. Donc là, je me tâte sur les teintes. On fait des essais, hein, forcément. Mais c'est marrant, justement, de revenir sur l'historique pour pouvoir, suivre les grandes étapes d'une photo. Et d'ailleurs, c'est une des premières fois que je le fais, parce que c'est pas du tout un panneau que j'ai tendance à utiliser. Et là, du coup, pour le contexte actuel, je suis en train de refaire un voyage. Redécouvrir voilà. Ton outil. C'est ça. Comment je l'ai utilisé. C'est vrai que du coup, on voit qu'il y a pas mal d'allers-retours, hein, entre clarté... saturation, point noir, point blanc, j'ai voulu tenter des trucs. Ouais, j'ai fait un peu d'ajustement local. C'est bon, je sais plus si on le retrouve, parce que ça doit être sûrement ça. Ah non, add brush, ça doit être ça. Non, je vois pas le point de brush stroke, mais c'est un brush stroke sur quoi? Sur les retouches peut-être? Non. Oui, non, ça doit être ça. Voilà, ici là. Ouais, du coup, j'ai commencé à peindre parce que je sentais que de ce côté-là, il y avait, enfin, le soleil venait par là, donc j'essayais d'accentuer ce côté contre-jour. Et voilà, j'ai progressivement arrivé à la photo que je voulais sur la fin, quoi. Je fais un peu de retouche locale, mais on va le voir aussi sur une autre photo intéressante là, sur le Magic Bus, enfin la photo de Kyrgyzstan. Into the Wild. Ouais, c'est ça, exactement.
voilà, photo de paysage reste en général très simple. Je vais juste un peu faire péter les couleurs. Attends, mais cette photo... Ah ouais, c'est un tif. Ah, c'est aussi pour ça. Donc, c'est-à-dire que je suis reparti déjà. T'as déjà fait tes retouches. Voilà, c'est ça. Et je sais pas pourquoi je l'ai passé sur Photoshop, cette photo. Peut-être devait y avoir peut-être une petite branche, un petit truc qui me gênait en premier plan. C'est souvent... C'est souvent, ouais, de rattraper des trucs que t'avais pas forcément percuté au capteur. Exactement. Et moi, je shoote pas du tout... Enfin, j'ai pas de drone. Et parfois, c'est frustrant de pas pouvoir monter 2-3 mètres plus haut pour prendre la même photo, mais ouais, sans premier plan. Avec le Canon, non, ça, j'ai pas encore. Hein. J'ai pas encore ça. Voilà. Donc, on est toujours en Bolivie, désert de sel. Et là-bas, j'étais frappé par cet environnement, ces kilomètres et kilomètres carrés de désert de sel, quoi. Et je voulais faire une photo un peu plus épurée, donc je suis parti je pense en luminosité aussi. Ouais, j'ai un peu travaillé au niveau de la couleur en elle-même là. J'ai un peu fait péter, enfin j'ai augmenté la saturation des oranges et des rouges. Et j'ai pas touché aux teintes, mais à la luminance aussi un peu. Ouais, pour pouvoir dégager certaines valeurs. Exactement. Exactement. Et alors, du coup, ça permet de dater en fait tes retouches. Pour un seul truc, c'est que t'as un curseur qui bouge jamais, c'est le de-ease. Ouais, ça c'est vrai. Il n'était pas à l'époque. Oui, il était tout en bas. Il a d'abord été tout en bas. Ouais. Et après, ils l'ont rajouté. C'est le truc qui permet de virer justement ce brouillard de profondeur. Bien. Mais n'y touche pas, hein, c'était juste... Ouais. Et je voulais voir un peu l'effet que ça faisait. Je kiffe, j'adore, parce qu'ils ont vraiment fait un beau boulot là-dessus, sur le côté passer d'une photo sur laquelle t'as vraiment la profondeur à celle que tu montrais sur les fumées sur Alberta. Typiquement là-dedans, des trucs où tu te demandes, tiens, est-ce qu'il y a moyen de rattraper ça. Et quand t'es vraiment dans le brouillard, c'est effectivement... D'ailleurs, il n'est pas là-dedans, je crois. Mais ah ouais, non, parce que là c'était trop vieux, du coup je l'ai pas reprise là, du coup pour la session. Voilà, je continue toujours le désert de sel, je trouve ça magnifique. Il reste encore un peu d'eau à certains endroits, et donc du coup sans vent on arrive à avoir une vraie réflexion. C'est assez beau. Alors, si on voit le avant après, c'est aussi, je pense, un poil choquant. Voilà, j'ai quand même retrouvé un peu de détails, un peu de couleur. Tout en restant sur Lightroom, c'est-à-dire sans passer par Photoshop pour prendre le haut de l'image, faire un flip miroir en bas et tricher. Au final, j'ai gardé vraiment ce que j'avais. J'ai gardé la matière, et puis je l'ai juste un peu éclairci. J'ai retrouvé ce que je voulais, quoi. Voilà, beaucoup de kilomètres en 4x4 aussi. Ces montagnes que je trouve super belles aussi en Bolivie. Et après, ouais, ces photos-là, elles peuvent être intéressantes. Peut-être celle-ci, savoir comment je l'ai travaillée. Le avant-après. Alors, je fais très peu de noir et blanc. Ouais. Et sur ce noir et blanc, j'avais pas envie d'avoir des vrais noirs, et du coup on voit que la courbe en S monte, enfin est assez haute. C'est-à-dire que j'ai des griffes foncées, on va dire, et j'ai pas de noir. Je sais pas, j'avais cette envie de faire ça sur le moment, en fait. C'est vraiment assez ponctuel, et là j'ai bien travaillé, j'ai bien retrouvé le... D'abord j'ai débouché mes hautes lumières et mes ombres, j'ai bien écarté mon histogramme. Pas mal de clarté, je pense que j'ai aussi joué sur... Ah non, j'ai même pas joué sur les pinceaux. J'ai pas de retouche locale. Ah si, ici un peu. Un tout petit peu pour le ciel. Exactement. Ouais, c'était un peu assombri, peut-être à cause de la poussière qu'il y avait, du coup. Du coup, je voulais retrouver un peu ça. Un peu de blanc. Cadrage qui a pas forcément bougé au final. Enfin, si, un peu quand même. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, parce que mon frère est dans la vidéo, il est freelance, il est réalisateur, et lui c'est vrai que quand il cadre pour ses plans, il bouge pas après derrière. En photo, on shoote avec tellement de résolution qu'on peut se permettre de recadrer, et j'avoue que ça c'est aussi un travail. Souvent je me laisse un peu plus de champ, très légèrement, pour me dire ok, je pourrais ajuster peut-être derrière. Tes éditeurs te remercieront.
ouais, c'est ça. Venant de la partie direction artistique sur ça, où on est toujours à se poser la question de quel cadrage de l'artiste est sympa, mais j'ai besoin de plus de matière, j'ai besoin juste d'un petit peu de place autour pour pouvoir faire de la découpe tout simplement propre. C'est toujours une question qui revient. Donc, Ah ben, c'est bon à savoir. Voilà, du coup, le avant-après, intéressant. C'était vraiment une scène incroyable avec ce vent qu'il y avait, le bruit, ça résonnait du coup dans le canyon. Première fois que j'étais à cheval aussi. Donc c'est une belle expérience. Là, on retrouve nos mineurs à Potosi, en Bolivie. C'était à l'air libre cette fois-ci. Ouais, à l'air libre. Ils venaient de finir leur journée, ils devaient être... il était quelle heure, là ? Non, c'était pas 21h. Du coup, j'ai pas mis à jour l'heure du boîtier. Il devait être 13-14h. En fait, ils bossent de minuit à midi, à peu près. Sympa. Ouais, c'est quelque chose. Et vu qu'ils sont complètement dans le noir, et aucune notion de l'heure dans la journée, ils sont juste à casser des cailloux, quoi. C'était impressionnant. Moi, ça m'a tué, quoi, de voir ça. Voilà, je sais pas, on peut continuer un peu sur... manière dont je retouche les photos. Donc là, pour le coup, celle-ci, j'ai pas travaillé sur la courbe de niveau. Le avant-après est quand même très similaire. J'ai juste un peu assombri. Donc les teintes sombres. J'ai voulu, vu que c'était en obscurité, je voulais vraiment retranscrire ça. Parfois, ça m'arrive de... Bon, là, c'était pas le cas, mais parfois ça m'arrive de donner un petit côté comme ça pour juste un peu une petite lueur accentuée. Je me rappelle que je l'avais faite sur cette photo. Cette photo où on voit la dame cuisiner, je sais que j'avais un poil accentué au niveau de la... Je trouvais ça incroyable de cuisiner avec une lampe frontale. Au final, c'est con, mais quand tu as une maison qui est pas forcément... Enfin, ouais, c'est ça. Et ils étaient en surpilotis. C'était dans un petit village en Thaïlande. Il y avait les cochons en dessous. Ils étaient peut-être une quarantaine dedans, quoi. On a fait 3 jours de trek et on a dormi une nuit chez eux. Et en vrai, quand je voyais ça, c'était en pleine journée. Donc, mais il faisait sombre parce qu'ils n'avaient pas d'éclairage. Je trouvais ça fou, tout simplement. Voilà, du coup, retouche très simple sur celle-ci. Pas de retouche locale. J'ai rediminué un peu les hautes lumières vu que c'était en environnement très sombre. Moi, quand je shoot, d'ailleurs, petite parenthèse, quand je shoot, en général, je suis en semi-auto. Je suis j'automatise la vitesse d'obturation. Ouais. Donc, je donne. Ça t'évite de chercher. Ouais, je suis rarement manuel. Quand je suis en manuel, c'est que je sais que la scène va pas bouger. Sûrement ici, j'étais en manuel parce que l'environnement était tellement sombre. Pour le coup, ça c'est un mauvais exemple parce que c'était très très sombre. Du coup, j'ai bloqué mes ISO, j'ai bloqué ma vitesse d'obturation. Pour être sûr de pas te foirer. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est pas simple hein, parce que parfois tu te laisses porter tant que t'es dans le... Tant que t'es dans le mood, tu te dis bah voilà, je me laisse porter par l'automatique. Ouais. Le manuel, c'est un coup parfois... à être surpris. Ouais. Et il n'y a que dans les boîtiers récents, mais enfin maintenant je bosse avec, mais où on peut être sûr du semi-auto, c'est-à-dire on bloque certains paramètres, mais on garde par exemple la vitesse d'obturation, mais on va lui dire tu descends pas en dessous de 1/250e, et puis par exemple tu montes pas au-dessus de 12 000 ISO. Et en faisant ça, ça permet en fait de garder un contrôle supplémentaire et de laisser le logiciel, et en plus en utilisant ça, plus en lui disant ok, l'exposition tu l'as fait à 3 stops en dessous, et ben il va quasiment te faire naturellement ce que tu ferais en manuel, quoi. Sauf cas particulier, moi c'est comme ça que je bosse. Mais avant, par exemple, je me rappelle sur le 6D, j'arrivais pas à voir toutes ces contraintes en ISO ou en vitesse d'obturation et en exposition. C'est ça. Du coup, j'étais obligé de passer beaucoup plus en manuel, et là avec le 5D4, j'arrive beaucoup plus facilement à faire ce que je veux en semi-auto, quoi. Voilà, enfin, quand tu vois ça, les rails, voilà les rails, c'est-à-dire qu'en fait... Les rails sur lesquels faut pas mettre le pied. Ouais, c'est ça, en fait, tu te rends compte qu'ils ont... Parfois, t'as des virages et ils ont pas ce qu'il faut. Ils ont pas fait la courbe, donc voilà. tu portes pendant le... Et c'est vraiment une tonne, quoi, c'est-à-dire que là, ils sont deux, ils sont... Et d'ailleurs, j'ai pris la photo, et ils y arrivaient pas, et après, je les ai aidés à essayer de le porter, mais voilà, j'ai ma...
mon nombre de contributions à pousser le chariot, enfin à soulever le chariot, c'était impressionnant. Ouais, tu m'étonnes. Et tu les vois, ils ont, en fait, ils mâchent la feuille de coca. C'est très connu là-bas en Bolivie. Et du coup, ils se retrouvent avec des. On le voit un peu ici. Mais j'étais un peu étonné. Enfin, tu vois qu'ils ont, ils ont la joue bombée. Lui, il en avait pas parce que du coup, il nous a parlé. Je crois qu'il a, il l'avait craché juste avant. Mais ça les aide. Différents effets, dont un qui permet aussi de mieux supporter, on va dire, peut-être l'absence d'oxygène ou. Ouais. En gros, ça fluidifie peut-être un peu le sang, je crois. J'avais lu des trucs là-dessus et ça les aide, eux, dans les tunnels, à garder un peu de peps quand même, parce que c'est. Ça, c'est tonique, quand même, il faut le dire. Voilà. Cette photo. Enfin, elle m'avait pas mal marqué parce que c'est les shoe cleaners, du coup, ceux qui nettoient les chaussures. C'est les seuls gars en Bolivie que je vois bosser avec une cagoule parce que c'est mal vu. C'est un métier mal vu. Et du coup, ils montent pas leur visage et ils sont à demander 3 sous pour nettoyer les chaussures. Et j'ai pas mal parlé avec ce mec. Après, je l'ai pris en photo. Je trouvais ça. Je voulais me rappeler. C'est aussi la photographie, c'est aussi personnel. C'est aussi un moyen de se rappeler ce que tu vis. Et moi, ouais, j'étais surpris de voir que t'as des métiers où les gens ont honte de les faire et qui vont du coup se cacher parce que ils ont pas envie d'avoir un regard des autres. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça assez fort. C'était les seuls en Bolivie à faire ça. Enfin, j'ai trouvé. J'en ai pas trouvé d'autres qui faisaient comme ça. Et là aussi très simple, courbe en S, clarté, vibrance. Je travaille sur un peu de la même manière, je débouche un peu les hautes lumières et les ombres, et puis je décale un peu mes points. Alors est-ce que la dame qui est en arrière-plan devant la porte de l'église, c'est la même que celle qui est sur le marché, ou c'est du hasard? Alors elle se ressemble beaucoup, parce que j'ai, ouais, pour le coup... T'as fait cette différence. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Mais ouais, elles sont. Je trouve ça trop mignon, leur petit chapeau. Comme ça, ouais. Et elles s'habillent vraiment colorées. Elles sont. Ouais, un physique et une allure vraiment. Très atypique, ouais. C'est chouette. On continue sur cette photo. Pas forcément beaucoup de sens. Enfin, beaucoup d'intérêt, peut-être, de parler là-dessus. On reste quand même sur du simple. Hein, c'est toi qui trie. Ouais. S'il y a des photos sur lesquelles tu veux prendre du temps, on prend du temps. S'il y a des photos sur lesquelles tu estimes qu'on est arrivé au... Ouais, on a déjà dit ce qu'il fallait. Ouais, je sais que sur celle-ci, j'ai utilisé un des outils de Lightroom pour recadrer automatiquement, il me semble. Ouais, je suis en auto, j'avais cliqué sur auto. Si je mets sur off, elle était un peu comme ça. Je me suis dit qu'il allait comprendre un peu la construction de l'image. Et du coup, il me l'a un peu redressé. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je voulais. Ouais. C'est vraiment une des belles nouveautés. Alors, c'est pas tout neuf. Enfin, c'est plus tout neuf, mais c'est assez magique de pouvoir avoir ça en quelques clics. Ouais. Et voilà, du coup, recadrage un peu automatique. Je crois que j'ai fait un recadrage très léger, supplémentaire. Vu que cette photo, je l'ai prise plusieurs fois, je savais vraiment ce que je voulais. Et je l'ai un peu sous ex. Je sais pas si. Ouais, je l'ai un peu bleu. Je l'ai un peu refroidi. Pas de toucher au niveau, aussi très légèrement. Un peu de teinte. Ouais, très très léger quoi. Mais ouais, non, je suis resté. Et ouais, un peu de virage partiel aussi. Vraiment, ça joue au poil de cul à chaque fois. Et je passe beaucoup de temps, d'ailleurs, au niveau des photos. Je prends souvent plusieurs jours. Je me retouche la photo. Je vais jamais l'exporter et la publier directement. J'ai besoin de laisser mûrir un peu. Exactement. Savoir où tu veux aller. Et souvent, c'est sur même plusieurs semaines. Là, les dernières photos que j'ai faites au Kyrgyzstan, où je suis parti vraiment en reportage photo, j'en ai sélectionné deux. On va pouvoir peut-être en parler. Un petit teaser. Mais ouais, en gros, je me prends vraiment, vraiment le temps de la retoucher, de me laisser le temps de l'oublier pour pouvoir la redécouvrir et me dire, ok, comment on peut retravailler dessus, quoi. Oui, carrément. Ouais, effectivement, on va se le garder en teaser pour la
tranquillement finir dessus. Ouais, je sais pas du tout. Très... C'est pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu l'audience. Tout le monde est là sagement. Parfait. Tout le monde est resté. On a eu la petite chute, la petite baisse au bout d'une heure pour ceux qui ont pris le premier shift du dernier. Ouais. Classique. Et les gens qui reviennent. Ouais, bah du coup, en partant un peu. Celle-ci, je crois que j'ai pas fait grand chose. Enfin, pas plus que d'habitude, quoi. Je suis encore une fois très simple. Celle-là, peut-être, elle est peut-être intéressante. Avant-après, il donne quoi ? Ouais. Parfois, par exemple, pour ces photos-là où on voit un peu de fumée, là, ça doit être de la vapeur d'eau, du coup, parce qu'il je crois que c'était il brûlait les champs, du coup, pour la fermentation, enfin, pour après qu'il soit plus productif. Parfois, j'aime bien donner un petit côté de. Je colore un peu mes nuages, bon, j'enlève l'expo et je vais donner un coup de clarté pour juste. Ouais, les contrastes. Ouais, c'est ça. J'aime bien faire ça au niveau des nuages, ça redonne un peu de relief. Carrément. Et ouais, sur cette photo du donc Kyrgyzstan, vu ce qu'on a trouvé sur la route. Merde. Le avant-après donne quoi ? Ouais, donc bon, déjà de base, forcément la photo est moins saturée. Je l'ai surcadré exprès. C'est, pour le coup, cette photo, je l'avais vraiment en tête. Et quand je regarde... Oula, parce que j'en ai pas mal. Il y en a des étapes. Ouais, il y en a des étapes. Mais parce que j'ai tâtonné. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est de voir que peut-être des photos que tu as prises sur le vif ou plus ou moins, tu les attrapes avec finalement peu de réglages. Et des photos sur lesquelles tu as une idée plus précise, tu passes plus de temps et plus de détails dessus. C'est ça. Et je me rappelle que sur cette photo, ce que je voulais redonner et que je fais pas forcément d'habitude, c'est que là, je savais que le soleil venait de la droite et que je voulais. On le voit d'ailleurs. On le voit, il regarde l'horizon. Il y avait un bon vent parce qu'on voit quand même au niveau de l'herbe qu'elle est un peu fléchie. Et du coup, je voulais redonner cette dynamique directionnelle. Et donc, du coup, j'ai fait un virage partiel. Pas un virage partiel, un gradué. Ouais. Un filtre gradué, exactement. Où j'ai un peu réchauffé très légèrement de plus 10 la température et de plus 10 et de plus 0,3 stop en expo. Ce qui me permet d'avoir un poil plus de dynamique, je trouve. Ouais, carrément. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on n'a pas du tout et, sur la photo de départ qui donne qui redonne justement cette fameuse profondeur. On voit bien que toute la montagne qui était atténuée réapparaît. Exactement. J'en ai fait un aussi au niveau de l'herbe, mais qu'est-ce que j'ai fait au niveau de l'herbe ? J'ai augmenté la clarté juste pour recontraster un peu. Si on fait le avant après, on voit. Ouais. On voit bien. Cette photo que je vais peut-être publier dans un futur proche sur mon compte Insta. J'hésitais parce que ça, du coup, c'était une photo dans un contexte particulier. C'était des démonstrations de la culture nomade. C'était au Kyrgyzstan. Et du coup, c'était plus un show. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on avait réussi à avoir la carte presse. Ouais, sympa. Et c'est la première fois que j'avais une carte presse. J'étais assez content, d'ailleurs. Et donc, on avait accès un peu à vraiment tous les backstage. On était logés, nourris pendant tous les World Nomad Games. C'est les jeux mondiaux du nomadisme. C'est une fois tous les deux ans. D'accord. J'ai découvert ça et honnêtement, c'était une grosse claque. En fait, c'est qu'il faut imaginer comme les JO, c'est-à-dire avec les Jeux Olympiques, sauf que là, du coup, c'est des jeux nomades. Ouais. Et on se retrouve avec du tir à l'arc à cheval, on se retrouve avec un dérivé de la pétanque avec des osselets de moutons. On se retrouve avec dressage d'aigle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une peau de loup accrochée à un cheval au galop. Et le mec lance son aigle et il doit arriver à choper la peau de loup. C'est super intéressant de voir toute cette culture, qui sont fiers de leur culture nomade. Parce que Kyrgyzstan et tous ces pays dans cette zone post-URSS ont pris leur indépendance. Ouais.
Et c'est intéressant de voir qu'ils continuent de perpétuer toute cette culture nomade, qu'ils sont conscients qu'elle peut avoir tendance à disparaître ou à s'atténuer, et ils sont fiers de la faire perdurer. Et les World Nomad Games, ça fait, c'est la troisième édition, il me semble. Mm-hmm. C'est tous les deux ans. Donc c'était au Kyrgyzstan, là, et dans deux ans, ça va être en Turquie, il me semble. D'accord. Voilà, on se faisait inviter dans des yourtes, et c'était un peu une période de fête, et du coup, ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient à manger. C'était super, super sympa de... Surtout de les voir en habit tradi. C'est aussi pour ça que j'ai gardé cette photo, c'est parce que cette dame-là, on la voit vraiment avec son turban, tous ses colliers, elle est super bien habillée pour l'occasion. Mmh. C'est assez rare de les voir comme ça, on va dire. Voilà. Les balançoires kirghizes sont un peu différentes des nôtres. Et au niveau de la retouche, en termes techniques, là j'ai fait un petit virage partiel. Ouais, très léger. Très léger, ouais. Ouais. De toute façon, je vais jamais très loin. Ouais, c'est juste histoire de teinter un peu tes noirs. C'est ça. Beau petit contre-jour, un petit papy qui était assez dans la lune. D'ailleurs, c'est le même qu'on retrouve ici. D'accord. Dans cette photo. Ouais. Et alors là, tu lui avais demandé de poser ou... Non, du tout. Il y a très peu de photos qu'on a vues au final où j'ai demandé de poser. Tu m'avais dit, il y avait celle du cheval. Ouais, celle du cheval où je lui ai demandé de faire un tour, mais je savais même pas ce qu'il allait faire. Je lui ai dit juste, passe là, ça peut être sympa. Ouais. J'avais des images en tête, mais j'étais pas... Enfin, souvent, tout va très vite au niveau de l'action, du moment. Mmh. Il faut arriver à composer rapidement. Et pour le coup, c'est aussi un truc que j'aime bien glisser, c'est que... on en parlait tout à l'heure, mais ouais, je gagne aussi ma vie un peu en faisant la photographie de mariage. C'est pas forcément ce que je kiffe le plus, mais la photographie de mariage a ce côté très bon pour apprendre à être réactif, apprendre plein de choses en même temps. On fait à la fois un peu de macro, on fait à la fois un peu de shooting, on fait à la fois de l'événementiel. Ouais. Tout va très vite. Pendant 15 heures, on bosse à fond. Tu es à fond, tu déclenches à fond. Ouais. Surtout, tu as plein de versions des mêmes images qui permettent de choisir, de faire un vrai gros choix dessus. Exactement. Et apprendre ça, ça te permet aussi de... C'est aussi un bon exercice pour maîtriser son boîtier, ses outils. Bien sûr. Et je le conseille à qui veut apprendre et se faire un peu violence. Ouais. Parce que c'est se faire violence que de faire un mariage. Hein. C'est pas très simple. Alors, d'ailleurs, il y a Hyperly qui demande si c'est là que tu t'es fait mal au pied. Non, c'est pas là que je me suis fait mal au pied. Il sait que je me suis fait mal au pied. Je pense qu'à partir du moment où on publie les artistes, les gens vont regarder les stories. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai eu quelques problèmes, des opérations au niveau des pieds. Et je suis tombé en scout en Indonésie. Je me suis bien défoncé le genou. J'ai voulu prendre la confiance un peu vite. Enfin bref, des petites aventures et puis surtout découvrir les hôpitaux locaux, c'est une expérience. Ouais. C'est tous les petits de ponction sans anesthésie, un peu comme ça, c'est des belles expériences, des belles histoires, on va dire, à raconter. Ouais, c'est ça, une fois que c'est passé. Voilà, une fois que c'est passé, ça va. Ouais. Là, je commence à me remettre d'aplomb. Et ouais, cette photo, par contre, c'est une des rares photos que j'ai faites en shooting. D'ailleurs, je ne lui ai toujours pas envoyé, il faut que je lui envoie. Celle qui a gagné le concours de tir à l'arc, c'est une kirghize. Et je lui ai demandé à la fin du shooting, enfin à la fin de la compétition, qu'elle vienne me faire une petite photo. J'en ai fait deux, enfin ça allait très vite. J'avais déjà un peu l'image en tête et puis voilà, je l'ai prise quoi. Et pareil, soit shooting ou photo que j'aime faire, c'est principe est sensiblement le même. Quand on regarde le truc en détail, c'est vraiment pareil quoi. Voilà. Non, c'est chouette de pouvoir voir, profiter un petit peu de ces photos, de revoir quelques détails qu'on n'avait pas forcément avant. Exactement. Ouais. Cette photo, elle m'a pas mal travaillé. Je suis toujours pas satisfait. Je l'ai postée, mais je suis pas satisfait encore. Ouais. J'arrivais pas à voir l'ambiance que j'avais en mémoire et qui me plaisait au niveau des teintes. Elle est un peu plus. Je vois que je suis sur du plus 30 en teinte. Enfin bref, je suis assez dans les roses. C'est pas forcément ce que je travaille beaucoup normalement, mais enfin c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Mais je sais pas, c'est un processus, une exploration. On est parfois satisfait, parfois complètement insatisfait de son travail. Et puis j'ai pas mal, je suis allé plein de fois dessus sur cette photo. Je sais pas si l'historique en témoigne, mais
Ouais, historique en témoigne. C'est ça, ouais. Voilà. Tant que tu sais pas exactement où tu vas, c'est clair qu'il y a de la recherche. Quoi. Exactement. Voilà, donc le paysage sera assez simple. J'avais un peu cramé mes blancs ici, du coup je suis pas satisfait de cette photo. On mais... comprend, ouais. Et c'est comme ça, on apprend, on fait des tests. Ça, c'est dans un vieux village dans les montagnes, assez en altitude. C'était un village mort post-URSS qui s'est complètement vidé suite à la fin du régime soviétique. Mmh. Et t'avais des locaux qui ont pris les maisons qui étaient gratuites et qui ont créé un petit village à l'intérieur. Mmh. Donc t'as des barres d'immeubles, on le voit pas forcément bien ici, mais t'as des barres d'immeubles complètement vides et t'as des petites maisons avec une école, ils sont peut-être une centaine, et puis voilà quoi. Au niveau d'un col de montagne tout en haut. Commençait à avoir les premières neiges aussi, c'était la fin de l'été ou le début de l'hiver. Et on voyait les gars se les peler, quoi. Ramener les troupeaux. Mmh. Parce que du coup, au Kyrgyzstan, c'est des semi-nomades, c'est-à-dire que l'hiver, ils ont tendance à rentrer dans les terres et à vivre chez eux, à la différence de la Mongolie, où ils ont plus. Ils sont nomades à l'année. C'est un climat qui change moins froid, moins extrême. Et du coup, ils peuvent se permettre d'être nomades. De rester sédentaires un certain temps. Ouais. C'est ça. Et donc là, ils ramenaient un peu tout le bétail au sud du pays et dans les terres. D'accord. C'est là que j'ai découvert, c'est au Kyrgyzstan, du coup en septembre dernier, j'ai découvert les dresseurs d'aigles. Mmh. Ces gars-là qui chassent avec des aigles royales, ça m'a complètement impressionné, abasourdi. Et j'ai passé une journée avec ce mec-là, il m'a montré un peu ce qu'il faisait, je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit, il faut que je fasse un reportage photo dessus. Spécifiquement Un dresseur d'aigles, pas forcément lui d'ailleurs, mais du coup, on y est en partie presque 3-4 semaines, j'avais chopé des contacts là-bas, que ce soit en agence locale, tourisme, ou bien même des locaux, des gens qui parlaient bien anglais, et après, à mon retour en France, je leur ai dit que je voulais repartir en décembre, ils m'ont dit que c'était une bonne période pour partir faire un reportage sur les dresseurs d'aigles, parce qu'ils chassent pendant l'hiver. D'accord. Et du coup, voilà, ça c'est un peu les deux dernières photos de mon reportage, que j'ai faite... Ouais, le mec avait quand même bien la classe. Et du coup, voilà, ça c'est une série, j'ai une quinzaine de photos, j'essaie de me faire publier là-dessus. On verra où ça mène, mais en gros voilà, j'ai passé une semaine avec ce gars-là qui a appris ça de son grand-père, ça se perpétue de génération en génération. Il a gagné vachement de concours, il est très très bon et il continue de chasser. Chaque période, il chasse environ une trentaine de chacals, peut-être 6 ou 7 loups. L'aigle chasse le loup. C'est l'aigle qui chasse le loup ? Ouais, c'est l'aigle qui chasse le loup. Ça, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et même aussi des renards aussi. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance de l'aigle quand je l'ai vu un peu à l'action, du coup. Mm-hmm. Tu le vois, il comprend vraiment très vite qu'il y a une proie. Ouais. À des centaines de mètres que tu as du mal à voir. Et il part et avec ses griffes, il vient choper au niveau du cou, s'il y arrive. Ouais. Et direct, bah forcément, il se plante. Et puis, j'ai essayé d'enlever la... Enfin, de tirer un peu une griffe de l'aigle quand il était au niveau du gant, sur le gant du mec. J'arrivais même pas, avec une poigne, à enlever une griffe. Alors, imagine pour enlever une patte, quoi. Donc, une fois qu'il t'a au niveau du cou, et puis après, il te picore. Comme ça, tac, les yeux, un peu la bouche et le cou, et puis après... C'est sympa, ça. Ouais, c'est assez, on va dire... C'est brut. Et c'est assez impressionnant de voir. Hein. Et c'est super lourd. Hein. Ça pèse, je pense, une bonne vingtaine de kilos. Et ça vit 60 ans. C'est-à-dire qu'il en a 2-3. Il a 2 aigles avec qui il chasse. Qui sont beaucoup plus vieux que toi. Qui sont plus vieux que moi. C'est impressionnant. Mais, ouais. Et après 20-30 ans... d'élevage et de chasse, il relâche l'aigle et soit il part dans les montagnes faire sa petite vie, ou soit il revient naturellement chez le chasseur. Et là, du coup, il continue à le nourrir dans la grange, dans on va dire le jardin. Et voilà. On a fait un peu le tour. C'est chouette, c'est merveilleux cette histoire d'aigle. Ah, je trouvais ça super impressionnant.
et de vivre une semaine avec lui au pied des montagnes enneigées sous moins 15 degrés, manger du mouton, moi qui mange très peu de viande, voire pas de viande, là du coup j'étais bien obligé. Ouais, c'est ça où tu manges pas. Ouais, c'est ça exactement, et surtout que c'était pas très raffiné comme c'était ragoût de mouton, tout ça quoi. Et c'était une super belle expérience d'être à cheval dans ces montagnes avec mon appareil photo. Il faut se remettre dans le contexte quand même, moins 15 degrés, je sais pas faire de cheval, je pars avec un mec qui. C'est sa vie, tu vois. C'est ça. Il sait où il va. Au début, je dis vas-y, prends ton temps. J'essaye de. T'as pas eu l'entraînement du désert des Tartares à sauter du cheval, la fameuse photo où on le voyait. Là, ouais, ce mec-là, ouais. Pas mal, ça aussi. Ouais. Tu t'as essayé ça ou pas? Non, j'ai pas essayé. Non. Mmh. J'ai failli tomber à cheval, mais je suis pas tombé. Et ouais, l'appareil qui tient bien aussi à moins 15, j'étais assez impressionné. Contrairement à mon tel qui tenait 10 minutes. D'accord. Dans le froid, quoi. Mais après, ouais, je suppose que ça doit être enfin, dans les précisions sur le livre, tu peux retrouver ce truc-là. Enfin, sur le boîtier, les caractéristiques techniques, ils doivent complètement dire jusqu'où tu peux l'emmener ou pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Ben écoute, c'est top tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. J'espère que ça a captivé notre audience jusqu'au bout, il me semble, d'ailleurs. Parfait. Merci beaucoup à toi, Geoffrey. Merci pour les. Merci, Franck. Pour ce voyage. Hop, je vais le remettre en grand. Regarde, quelques instants, on retrouve. Ça nous permet de retrouver tes petits moines bouddhistes. Ah, ben oui. Ils sont tout mignons. Qui récupèrent leur avion là-bas dans le coin. C'est ça. Et puis, impatient de découvrir la suite. Donc, sur Insta, à la fin de ton voyage. C'est ça. Après le mois de mars. Ouais, j'ai pas mal documenté aussi mon mois là-bas. Mm-hmm. Et j'ai pas mal de gens qui sont intéressés, beaucoup de questions que j'ai reçues sur comment ça se passe de vivre dans un monastère. Donc j'ai bien hâte de montrer tout ça aux gens. Alors montrer en photo uniquement ou aussi en story. Story Insta, petite vidéo. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ça, j'ai une idée, je vais te parler de première rush dans pas longtemps. Allez, on va faire ça après sur la post-déj. Ouais. C'est ça. Et ben, merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis, aux petits échanges, aux questions au fur et à mesure. Pour ceux qui arrivent là maintenant pour voir les aigles, il va falloir faire le retour sur le replay. Et pour tous les autres qui nous ont suivis, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve d'ailleurs, je vous dis une bêtise, on se retrouve bien avant la semaine prochaine, puisque ce vendredi, je reçois Klaus Pillon, qui est illustrateur, concept artiste dans le autour du jeu vidéo. Donc vous allez bien en profiter. C'est vendredi à 14h. Voilà. Merci encore, Geoffrey. Merci. À très bientôt. Ciao. Au revoir.